Re. Alors, voilà, ça c'est pour la VOD. Nous sommes sur Bannerlord. Alors, laissez-moi mettre en place tout ceci. Je lance le jeu. Ah oui, alors attendez. Alors déjà, hop, les musiques, pas besoin. Il faut que je prépare l'autre playlist. Incroyable. Voilà. Quelle ? Faut que je mette ça comme ça, on en aura besoin. Alors, il faut également l'autre onglet. Voilà, nickel, nickel. On laisse le temps à tout le monde de revenir. Nickel. Alors, Bannerlord, je lance le jeu. Alors oui, du coup, c'est vrai que j'ai pas pu voir en fait si... Est-ce que j'ai encore les mods à la con qui font tout crash ou pas? Parce que j'avais tenté du modding. J'ai lamentablement échoué. Ah non! Il y a un truc. En espérant que ça crache pas. J'ai vu la lumière, je suis rentré. Tu as eu raison. Il y a un truc que j'ai mis. C'est le mode Realistic Battle Mode. Qui permet d'avoir des unités beaucoup moins connes, braves gens. Beaucoup moins connes. Vous allez voir, il y a plusieurs choses. La première, ils arrêtent de se rentrer dedans comme des cons. Quand t'annonces une mêlée, hein. Quand t'annonces une mêlée, tu te mets face à face, tu fais une ligne de front, t'avances, tu tapes, tu recules. Dans Bannerlord, ce qui se passait, c'est que t'avais un frontal, tu vois, et les mecs se rentraient dedans comme ça, en mode stock car, si tu veux, et ça n'avait aucun sens. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, ils se structurent en bloc, quand tu demandes une unité, ils utilisent leur bouclier, et il y a une notion de posture, d'équilibre, notamment avec le joueur. C'est-à-dire que si vous prenez trop de coups dans le bouclier, ou trop de coups tout court, vous allez déséquilibrer, vous allez vous casser la gueule. Voilà, ce qui va laisser une opportunité à votre ennemi de vous poutrer le fion, bien sûr. Voilà, voilà. Ça, ils l'ont pas modifié avec la sortie. Si, mais trop légèrement à mon goût. Donc voilà. On les aimait bien, nous les gueux qui savaient pas se battre. Bah en fait, ils savent toujours se battre, sauf que bah, en fait, il y a une amélioration nette dans la répartition de puissance. C'est-à-dire que bah, si t'as une armure lourde, tu vas pas te faire poutrer par un mec qui a un caillou, si tu veux. Tu vois, c'est un moment, faut être cohérent. Et du coup, sauf s'ils sont beaucoup à avoir beaucoup de cailloux, tu vois. Donc du coup, il y a cette cohérence. Par contre, s'ils sont beaucoup à te taper dessus et que t'as juste une armure lourde, bah tu vas quand même être déséquilibré et tomber. Et ils vont pouvoir t'arracher la gueule. Donc c'est extrêmement bien pensé et c'est un peu déroutant. Donc à voir ce que ça va donner pendant les tournois et pendant les batailles. Si jamais vous tombez au combat, si le général meurt, enfin tombe, ce qui se passe, c'est que il se restructure automatiquement. Et par exemple, la cavalerie va se mettre en bloc, l'infanterie en bloc, etc. Et ils vont se gérer à peu près de manière relativement intelligente. Ou en tout cas, ils vont tenter de le faire. Donc ça reste quand même vachement mieux que juste du gros bourrinage Saras qui n'a aucun sens, en fait, très clairement. Donc ça va être cool. Ça va être très cool. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, j'avais fait des réglages graphiques, donc normalement, ça devrait pas planter. On va voir. Si ça plante, bah... ça plante. Malheureusement, on testera. On testera tout ça. Je suis en train de lancer le jeu et je vous l'affiche dès que c'est bon. Tac. En même temps, si tu fais juste F3, F2, non, justement. Mais non, je fais pas juste F3, F2. Le problème, c'est que... à un moment, tu es obligé à un moment d'avoir un contact, et quand ils sont en contact, même si tu leur demandes pas de charger, il n'y a pas de ligne de front qui se dessine, c'est juste deux gros pâtés qui se mettent sur la gueule, et c'est pas, déjà c'est pas très réaliste déjà d'une part, et ensuite bah c'est pas du tout stratégiquement parlant, c'est de la daube quoi. C'est... et surtout le gros point positif, c'est qu'ils se servent de leur bouclier, parce qu'avant si tu leur disais pas de se mettre en mur de bouclier, les mecs faisaient rien avec leur bouclier. C'est-à-dire, il se faisait taper dessus, c'est pas grave. Tu vois, c'est, si ça touche le bouclier, c'est bien. Si ça touche pas, tant pis. Donc là, il y a une vraie refonte de l'IA qui est intelligente. Et pour autant, si tu es général, tu as quand même le plein contrôle. C'est-à-dire que c'est comme avant. Ils vont pas s'auto-gérer tout seuls, sauf si tu leur dis. Mais en tout cas, par défaut, c'est quand même toi qui as le contrôle. Allez hop, on va voir. On va voir ce que ça donne. Pam pam pam. Let's go. Je sais même plus où on en est. À peu près si, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas la grande mémoire, quoi. On va voir.
Alors, déjà, un point politique, brave Jean. Ah, c'est la paix. Très bien. Oh putain, on paye un tribut de 70 PO par jour. Moche. Parce qu'on a perdu. Moche. Moche, moche, moche. Ah oui, c'est vrai que maintenant, ils créent des armées... C'est vrai qu'ils fabriquent des armées maintenant, même quand c'est pas la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Ils avaient cette gueule-là avant. Ça a changé encore. Il y a encore eu du changement à ce que je vois. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'avais des quêtes? Non, toujours les mêmes choses. Très bien. Très bien. Toujours la même merde. Toujours les mêmes galères, bien sûr. Ah oui, mais c'est vrai que la dernière fois, on s'était fait annihiler le fion. C'est vrai. Je m'en souviens. C'est tout à fait exact. C'est vrai que la dernière fois, on s'était fait annihiler le fion, quoi. Or quotidien, moins 5. Ça va, en vrai, l'économie est stable. Ici! Regardez, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Viens ici! Reviens ici! Voilà. Alors, je vais vous montrer. Déjà, on peut constater que, normalement, sans le mode, on serait ici, à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes troupes, elles ont des armures. C'est con, mais il faut le prendre en compte. Et l'IA, bah, elle le prend pas en compte, ça. Et en plus, il faut se méfier des fois de l'IA, qui n'est pas toujours très fiable sur les résolutions auto, en plus, un peu à la Warhammer. Et du coup, faut toujours se méfier. Des fois, il vaut mieux jouer un combat, vous avez plus de chances de gagner. Mais bref, comme sur Warhammer. Et du coup... Ah oui, j'ai appris des choses aussi. Qu'est-ce que... Voilà. On va la nommer chef des archers, c'est très bien. Formez une ligne. Et vous, mettez-vous en formation ample. Pourquoi ? Formation manquante. Comment ça, formation manquante ? Comment ça, formation manquante ? Comment ça ? Comment ça ? C'est quoi le problème là? Je comprends pas. Attends, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Fais les dismounts, c'est fait déjà. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, d'accord. Ok. Oui, parce qu'il la considère. Ok, c'est bon, j'ai capté. Alors, bon bah toi, toi meuf, désolé, hein, mais... toi... Ah non, j'ai un peu de cavalerie. Ah, my bad. Ok, d'accord, je les avais juste pas vus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Mais tu te tais. C'est fou ça. Toujours crier, hein. Incroyable. Et hop. Voilà. Et attendez, et juste pour vous montrer, on va le faire en mode débilus. On va le faire en mode débilus pour vous montrer. Ah oui, du coup forcément elle rejoint. Et vous allez voir. Oui, c'est vrai que je me suis un peu chié dans mes placements. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc déjà vous voyez, j'ai une barre de posture. Alors non, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra, mais croyez-moi, il y a une barre de posture et quand elle tombe à zéro, en fait je me casse la gueule. Et vous allez voir ce que ça donne. Et en fait ils vont faire une sorte de pseudo ligne de front. Ah. Alors c'est très bien, mais alors c'est très bien, mais elle est où la ligne de front? Putain.
Yes. Maintiennent une ligne plus que le jeu de base, ouais. Normalement, ils en servent dans tous les sens. Exact, exact. Mais vous allez voir, là, c'est parce que le groupe est trop petit, en fait, je pense. Mais sur les grosses bastons, vous allez voir, ça a vraiment une, déjà un charme visuel. Et en plus, c'est vraiment impactant sur le déroulé du combat. Et les batailles durent beaucoup plus longtemps quand vous avez des unités qui sont égales en termes d'équipement. Voilà. Alors, commerce. Vendons tout ce merdier. Voilà. Prenons le pognon. Évidemment, c'est important. Le pognon, bien sûr. Notre clan, on en est où? Ah oui, on est bientôt niveau 4. Ah oui, il faudrait avoir une colonie sans hommes dans notre armée et niveau 4 de clan. Niveau 4 de clan, c'est faisable. À mon avis, il suffit de taper des gens et de gagner des tournois. D'ailleurs, on va voir les tournois, ce que ça donne. Rejoindre le tournoi. Hop. Mais je pense que ça peut vraiment être sympa comme manière de gérer ses troupes. T'as des commerces? Ouais, j'en ai un. Pour le moment, je capte pas trop l'utilité. Enfin, si, je capte l'utilité, mais je crois que je le gère pas ultra bien. Donc, je verrai au fur et à mesure. Me dites pas, hein, bien sûr, me spoilez pas. Putain, ça a l'air d'être de la belle arbalète, ça. Hop. Hop là, raté. Hop, ça touche. Ah oui, ça corrige aussi le drapeau sur la lance. Come on, you. Hop là. Chopé au vol, mon pote. Viens prendre ta droite. Joli, le poney. Joli strike. Il a rien demandé, mais c'est pas grave. Dommage collatéraux. Et ici. Hop là. Ah oui, également, j'ai activé juste les icônes également des troupes, parce que ça me saoulait de voir machin a détruit machin. Au moins, là, on a juste les icônes, c'est pas mal. Viens là. Hop là. Un dernier. Attends, on va le faire par en dessous, celui-là, on va le choper. Voilà, il s'est cassé la gueule. Hop les. Embroché par les couilles, bien sûr. Allez, c'est bon, là, tu le chopes maintenant. Bon, ça, 5 minutes, hein. Voilà, très bien. Parfait. Oui, mais là, on s'en fout. C'était juste pour vous montrer une fois. Je sais qu'il faut analyser l'environnement. C'est garanti. Comment je me la joue, moi? Je vais me la jouer. Ouais. Qui c'est le connard qui veut venir? Ici. Hop là. Raté. Et ici, toi. Hop là. Suivant. Ils ont refait certaines animations, non? Notamment la taille des lances, elle était pas comme ça avant. Là, elles sont beaucoup plus longues. Joli. Bien tenté. Allez, viens là. Je vais te chauffer au vol. Allez, butez mon pote, là, on s'en fout. Il est mauvais, de toute façon, il est mauvais, bon. Voilà, prends mon cheval si tu veux, ça te fait plaisir. Me dis pas merci pour avoir cassé son élan, surtout. Ok, regardez-le bien, lui. Lui, ici. Voilà, c'est pas grave, chopez-le, c'est pas un souci. Allez, viens. Viens jouer au con. Voilà, moins un. Allez, viens jouer au con, toi aussi. Viens. Viens jouer au débilus. Allez, viens. Bien joué. Bien joué, j'ai lancé trop tôt. Qu'est-ce que tu fais, mec? Philippe. Arrête d'être débilus. D'accord. Très bien. Je suis pas du bon côté du cheval pour faire ça. Viens ici. J'arrive pas à me mettre du bon côté de son cheval. Faudrait que je sois de l'autre et là. Voilà. J'arrivais pas à le choper.
Hop là. La nuque du poney, ça part. Voilà, bien joué. Bien joué, Michel. Et si Bullier te matraque, moi. Bien tenté. Oh, jolie feinte. Prends ton coup de pied. Bam. Bien tenté. Insuffisant. Mange ça. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais... Ça suffit. Bien joué. Bien joué. Salopard de merde. Tombe. Tombe. Merde. Il m'a fait tomber. Aïe. Bien joué. Voilà. Eh bah putain. Les armures ont l'air plus travaillées. Oui, de fou. Ah, tu parles du commerce pour le terrain, d'accord. Ha ha. Ici. Pégu. Bien joué. Belle tentative d'arrestation. Coup de pied. Putain, il me met des feintes. Il me met des feintes. Laisse-moi me reposer, salopard. Retourne chez toi. Retourne chez toi, j'ai dit. Retourne. Bien joué. Putain. Ma barre de posture est presque vide, c'est bon. Matraquez-le. 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 Bien joué, les Legolas. C'est ça qu'on veut. Voilà. Ashley de la dissidence l'emporte. Parfait. Garanti. Garantie. 700 balles et une arbalète. Propre. Propre. Je suis pas très arbalète, moi, mais... Ah oui! Hop là. Alors également, là il n'y a pas grand monde. Essayons de recruter un petit peu des gens. Alors, équitation. Les animaux dans votre inventaire ont une très faible chance de se reproduire. Les villages liés à la colonie gouvernée voient leur taux de production augmenter de 5%. Réduit de moitié la pénalité de vitesse de rassemblement du groupe. D'accord. Les villages liés à la colonie gouvernée ont une meilleure chance de produire des chevaux de niveau 2. Clairement les chances de reproduction. De très très loin. Qu'est-ce que... J'ai cru que mon jeu avait freeze. Hop. Nouveau tournoi, brave Jean. Nouveau tournoi. Également, on va commencer un petit peu à recruter des gens dans notre groupe. Mais c'est pas... En fait, je cherchais tout à l'heure. Voilà. Je cherche. Voilà. Il faudrait qu'on trouve un ingénieur, un médecin. Et bref, tout un tas de gens après le tournoi. Ce serait très intéressant de commencer à se faire une petite équipe pour être efficace et avoir pas mal de généraux en fait hein, sur le terrain tout simplement. Ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool. Alors, armure de corps, coat of plate. D'accord. Ça protège giga bien. Choqué. Hop là, en pleine gueule. T'appelleras Voldemort, il te donnera des conseils. Lui non plus, il a plus de nez. Tout va bien. Putain, mais je peux aussi me casser la gueule à cheval. Putain, mais c'est cruel, ça. C'est cruel, cruellement Dark Soulsien, j'adore.
tu l'as pas vu venir celle-là. Oh lui. Dommage, il était bon client. Dommage. Sérieux? Comment j'ai raté ça? Sans déconner. Voilà. Ça, c'est honnête. Non, j'ai fait un drift avec le cheval. Frein à main et tout. Hop là! Un dernier tour de manège. Let's go! Et ici. Viens ici. Putain, toi, je vais te choper, toi. Viens là. Alors oui, quand vous spammez Z, vous accélérez plus vite avec le cheval. Enfin, il monte plus vite à vitesse max. J'ai remarqué ça. Voilà, par exemple, là, je l'ai fait s'arrêter tout de suite. Et là, voilà. Bon, là, on part parce que il m'a mis une pression. Et voilà, par exemple, si je fais ça, là, je m'arrête. Et là, je repars très vite. Voilà, en fait, je mets des gros coups avec les rênes. Ça permet d'aller vachement plus vite tout de suite. Enfin, d'atteindre la vitesse max plus vite. Et ça, c'est cool. Et ici, viens ici. Viens ici. Viens. Mais putain, tu m'énerves. Je te le dis, ça m'énerve. Tu frappes mon cheval? Non mais c'était fait exprès, je voulais tailler la pierre. Viens là. Mais c'est fou. C'est incroyable. Voilà, quand même. Bon. Ah, là ça devient intéressant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, viens. Bien joué, saloperie. Le combat de Babylus. Non, putain. Oh la belle parade. Parade. Bien joué, bien joué. Il va me faire tomber le con. Aïe, 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 aïe. Je vais te casser les hanches. Putain, l'IA elle est réactive, hein. Ça l'a bien ripatch, hein. Voilà. Non mais. On va commencer à m'emmerder celui-là. Aïe, bien joué. Parade. Parade. Mais attendez, parade. Mule. Ah non, non. Aïe. Attention, il y a un monsieur derrière vous. C'est même pas une vanne. Bien joué. Non. Je vais tomber, c'est sûr. Non. Non. Putain d'enculé. Ça suffit, la dissidence. Ça suffit. Je suis mort. Dommage. Dommage. Je suis qualifié. Ouais, c'est réactif, j'adore. Ah, voilà, là, il y a du challenge un peu. On est que deux? Oui, on est que deux. Un petit bouclier? Non, rien. Ah, super. Mais, connard, je te permets pas. T'es qui pour me frapper? Bien joué. Hop là, tu vas pas venir celle-là. Hop là. Bien joué, je suis pas assez proche quand je fais ça maintenant. Ça a été patché. T'as plus une jambe de 3 mètres. Enfin peut-être, mais on veut pas savoir. Et ici. Oh bon, c'est quoi ce coup de merde? Interruption, coup dans ta gueule. Même les visages, hein, ils ont été retravaillés. Hein. Parade. 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 Putain, il me harcèle, le con. Hop là. Hop là. Voilà. Le potentiel, brave Jean. Le potentiel.
bien joué. Salopard. Viens là, alors toi. D'accord, donc ma technique ne marche plus. Ok. C'est bon à savoir. Viens là. Putain, il a réussi à me le parer. Bien joué. Je vais faire tomber ton cheval, hein, je te le dis. Voilà. J'aurais dû le shooter, dommage. J'aurais dû le percuter là. Hop là. Coup de poney. Ça touche. Il a pas dû prendre grand chose, mais c'est pas grave. Pareil. Merde, pourquoi j'ai sauté? J'ai cru qu'il allait m'avoir là. Bull timing, c'était court. Allez, il est presque mort. Oh putain. Bien joué. Quoi? Mais tu fais quoi? Non mais sérieux. Putain. L'angoisse quoi. Commerce. Ah ouais. Oh, mais oui, mais clairement. Tiens, Bilic, cadeau. Stylé! On a besoin de thunes. Stylé! ...82 de protection, t'es invincible. Alors, cherchons des gens. Cherchons de quoi on a besoin en fait. Telle est la vraie question. On a besoin d'un chirurgien et d'un ingénieur. Ce serait pas mal. Déjà, pour commencer. À Poros pour la dernière fois. Médecine 70. Non, 80. 80, ok. Il y en avait une autre là. Billy de la dissidence. C'est incroyable. La réparatrice, c'est quoi? Ah, c'est pas de la médecine, c'est de l'ingénierie, d'accord. Ok. Mais il n'y avait pas une... Il n'y avait pas une médic. J'y crois pas, ça. Je suis sûr qu'il y avait une médic. Elle, c'est une intendante. Elle, c'est juste une bourrine. Elle, c'est juste une bourrine. 62 en médecine. Intéressant. Ça, c'est la mienne. Ah, y a pas de...
Après, attends, est-ce qu'elle a d'autres trucs Ça se trouve, elle est pas très très bonne en médecine pour l'instant, mais ça va augmenter. Moi, ce que je veux savoir, 70 en lancé, maniement à une main, athlétisme 70. 70, 70, 70. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Il est quand même mieux. Il est quand même mieux, lui. Mais après. L'avantage, c'est que elle. L'avantage, c'est que elle, je la paierai moins cher. Profitons-en, on n'est pas en guerre. Oh putain, la vache. Super loin. Ça marche, Oesa, à plus. Alors. Voilà, on va aller à Rotaï un petit peu. On va aller chercher la médic. Je pense que si jamais elle a des capacités un peu plus faibles, je la paierai moins cher. Et après, elle augmentera, ça va. 80, pour arriver à 80, elle va pas mettre 3 plombes non plus, hein, vu qu'elle va faire que ça. Donc ça va. Franchement, on va être bien. Derter Devlandais s'est échappé. Bah, il était temps. Attends, il s'est échappé de quoi? Il s'est fait choper par des bandits? Putain, la honte. La honte, sérieux. Ne nous attardons pas sur Derter, sinon on va finir par tomber en dépression. Ça va être terrible. Ah ouais. Bah. Pourquoi qu'il cherche la merde? Bon bah il cherche la merde, hein. Bon, je fais pas de vote, hein, pour ça. On va voir si j'y arrive. Pas de raison. On va bien placer nos troupes. Ça devrait le faire. Pour quelle raison me fais-je agresser? Ça va pas, non? Ils sont fous, ces gens. Une telle dissidence. Incroyable. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah voilà. Parfait. Ils sont à cheval? Oh putain! Oh la merde! Oh la merde! Alors ça. Ça c'est la gigadouille, hein. Attendez, on va aller les affaiblir. Allez, venez avec moi. On va être le choper au vol, là, celui sur le côté, là. Pour jouer stratégie. Et ici. Viens ici. Mais c'est ouf. Il est intombable. Quand même. Ok, un autre. Ok, il y a les archers là. Ok, il y a lui là, on va les choper. Ok, ça me vise. Ça vise plutôt bien. Pour mon plus grand des plaisirs. Aïe, bien joué. Tu vas où là comme ça? Viens là. Chopez-le! Viens ici! Viens là! Mais si ouf d'être con à ce point! Tu t'es bloqué!
Espèce d'abruti. Qu'il est con ce mec. Non mais sérieux là. Sérieux par contre. Ah. Vite. Ça tire un peu les archers là. Ah non non, le cheval, t'avances, merci. Putain, ils sont intombables. Bien joué. Oh putain. On va se faire exploser le fion là, vraiment? Vraiment là? Putain, sans déconner. Putain, mais ils sont intombables! C'est ouf! Et regarde ça! Mais. Non, mais sérieux? Putain, il a défoncé mon cheval. Il ne meurt pas! Il ne meurt juste pas! Il ne meurt juste pas quoi, c'est ouf. C'est assez ouf ça quand même là. Non mais sérieux. Ça s'appelle du foutage de gueule là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde ça! Il est intombable! Il pratique la dissidence du métal, au secours! Oh, c'est un proto-elfion! Non! J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je l'ai vu venir à des kilomètres. Putain. Quel dommage. Eh bah putain, ça promet d'être... ça va être costaud, hein. La vache. Ça va être costaud, brave Jean. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais tant mieux, ça prouve que le mode déjà marche. C'est effectivement, bah là, la différence de troupes était notable, hein. Clairement. Je pensais pas que ça allait être ouais aussi corsé tout de suite. Je m'y attendais pas. Ah, alors. Serment de médecine. Votre compétence en médecine s'applique également aux blessés ennemis, augmentant ainsi le nombre de prisonniers potentiels. Ouais, réduit la pénalité de vitesse du groupe blessé de 50%. Oui, clairement. Clairement la deuxième. Je m'en fous des alliés. Enfin, des ennemis. Bon, bah, du coup, ça sert à rien d'aller chercher un gars si jamais on va pas pouvoir sortir. 3000. Vas-y, flemme d'attendre. Je vais me refaire choper, là? Non, quand même pas. Quand même pas. Pitié. Ah bah si. Non mais sérieux. Pas le choix. Oh, je repaye pas par contre, hein. Qu'ils aient se faire enculer. Je ne repayerai pas, brave Jean. C'est mort. Du coup, on a vraiment voté là. Je m'abstiens. Contre l'Empire occidental. Très bien. C'est cool, j'ai plus d'armée. C'est super pratique. D'accord, c'est juste là. Non, je ne paierai pas. C'est bon, j'ai payé une fois, j'ai fait le pigeon une fois, je le referai pas. C'est mort. C'est mort. Il va nous falloir beaucoup d'archers. Hein. Beaucoup d'archers et une infanterie un peu meilleure que ça. Bon, c'est bon, vous me lâchez? Parce que là, en plus, vous avez fait 20 mètres, littéralement. Non, je paierai pas, niquez-vous. Niquez-vous. Jamais je paye. Je l'ai fait une fois, c'est mort. Je le referai pas.
qu'ils y font là, ils font les 100 pas là dans ce goulet d'étranglement là, au secours. Qu'est-ce qu'ils font? Aidez-les, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ah ça y est. Ouais, enfin c'est un peu un cadeau empoisonné ça quand même. Vas-y, cours. Cours. Ça marchera jamais, je vais me faire choper. Fuis. Vite. Genre vite. Genre très vite. 79, au secours. Au secours. Vite. Vite. Ok. Ok, ok. Ça se passe, ça se passe. Il y a 5 pillards des mers, c'est la merde. Non, ça va, ils m'ont pas vu. Ok, cours. Cours vite. On a pris un château, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Par contre, l'armure, elle fait plaisir, hein, faut reconnaître. C'est moi ou pas? C'est pas moi, niquez-vous. Toujours pareil, de toute façon. Toujours pareil. Il me faudrait une armée. En fait, il faut que je lève un petit groupe. Après, j'achète de la bouffe en masse. Et après, je lève une armée moi-même. Et je vais prendre une ville à eux. Comme ça, j'aurai un fief, quoi. Ou alors, je prends ce château. Ça peut être faisable, hein. On peut prendre un château, hein. Ça devient quoi ça? Ah c'est des fantassins directs. Ah bah oui oui je prends. Ah oui oui oui. Ah voilà des archers là un peu. Pas sûr qu'après créer une armée là ce soit très intéressant étant donné que qu'est-ce que je voulais dire étant donné attends elle est où ah elle est là voilà tac étant donné qu'on a pas d'homme très très puissant. Écuyer vlandais, ah, ça peut valoir le coup quand même d'avoir de la cavalerie. On va essayer d'avoir un truc polyvalent. On va essayer, j'ai jamais essayé d'avoir un truc vraiment polyvalent. On va tester, voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai 56 hommes. De merde. Mais 56. Comment je l'ai vu l'armée? Comme ça? Comme ça. Ah, ils sont tous occupés, super. Ah, j'ai plus de bouffe en plus. Super. Super. On va à la Sargotte, on va aller acheter de la bouffe. Château de Véron. Donnez-le moi. Ouais, ça marche pas. Ok. Ça ne serait pas assez. Ok. Putain, y en a un qui se met bien là niveau château là. Après, sachant qu'on va les perdre de toute façon les châteaux. Faut le savoir, hein, c'est... Commerce. De toute façon, on va les perdre à cause de la trahison qu'on va faire plus tard. Céréales, voilà, on va prendre des céréales, c'est très bien. On va en prendre... combien on va en prendre? 114? C'est très bien, 114. Voilà. On a payé 1000 balles et maintenant on va au combat. Là-haut. Tac. On va voir ce qui se passe. Tessa de l'Empire Occidental a été capturée par les Vlandais. Parfait. Putain, mais moi aussi je le veux le château. Oh ! Incroyable ! Incroyable ! Merci ! Yes ! Ça c'est cool ! Nickel. Donnez-le-moi.
Donnez-le moi. Vite. Alors attends. Le château, il est de quelle nationalité? Parce que ce serait bien de mettre un dirigeant qui soit de la nationalité du château. Donc du coup, il est de l'Empire. Ouais, mais non, mais fuck it, nommer un gouverneur. On va nommer ma femme. Ah, Nozon peut-être. Nozon. Nommons Nozon. Voilà. Nozon gouverneur. Très bien. Excellent. Voilà. C'est tout, c'est une mauvaise passe. Allons chez nous, braves gens. Allons chez nous. On n'a même pas participé à la prise du château et c'est quand même à nous. Si ça, c'est pas de la douille. Oh là là. Oh mais oui. Voilà, faut que je cultive un petit peu mon culte de la personnalité. Voilà. Garantie. Incroyable. Excellent. Excellent. Parfait. Parfait. Gérer le château. Voilà, il se débrouille visiblement, hein, c'est ça? Il se débrouille? Visiblement. Visiblement, il se débrouille. Ouvrir la cachette. Est-ce qu'il y a des trucs à piller? Non, il n'y a rien. Ok. Combien ça me rapporte? Ouais, pour le moment, on le sait pas. Par contre, je paye les défenseurs. Il y a 27 défenseurs. Ok. Est-ce que je peux rejoindre une armée? Oui, on va rejoindre celle-là. C'est très bien. Rejoindre l'armée. Hop. Je fournis un sixième de la bouffe. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? Château. Plus 15. Ah, décevant. On va attendre un peu plus. Hein. Nous avons une cible. Ah bon? Où? Ah, on a embauché des mercenaires. Formidable. Alors du coup, moi, je gère quoi comme village? D'accord, je gère celui-là. Et Cantrec. Excellent. Ah, 550 contre 450, je suis pas très chaud. J'avoue que je suis pas très chaud. Hmm. 600 et il prend l'aggro? Mais il est fou! Mais il est fou! Brave Jean! Je vous fais un vote au cas où certains d'entre vous veulent voter. Vous connaissez le fonctionnement. Au cas où certains veulent voter, je vous le mets. Sait-on jamais. Incroyable. Et également, préparez vos oreilles car il est l'heure de la musique. C'est parti. Qui ose m'envoyer des messages? Cassez-vous! Ah, il manque un truc! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Ça charge. Ça charge. Ça charge. Ça charge. Nous verrons qui avait raison dans les prédictions. Nous verrons. Nous verrons. Pour l'heure, il est temps de combattre quand le jeu aura décidé que nous pourrons combattre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vas-y, moi je vais gérer. Je vais gérer la deuxième infanterie. Voilà. Escape formation! I'll lead! Peggy, suivez-moi! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Regardez-moi ça! Dans mon groupe, on est combien ? Dans mon groupe, on est combien ? Ah, on peut pas le savoir ? D'accord. On peut pas le savoir ? D'accord. Ok, ils se font traquer dans le dos là-bas. Prenez le flanc droit de l'allié. C'est bon. J'y suis. J'y suis, chef. Une infanterie à cheval. Ah oui, merde, j'ai dit infanterie, oui, c'est vrai. Exact. J'ai dit infanterie. Le con ! Le con ! Warner le con ! Warner le con ! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attendez, on attend les ordres. Attendez, calmez-vous. Faites du headbang. Ah, on se tire dessus là. Il pleut des flèches. Personne ne tombe de son cheval. C'est un ordre. Cramponnez-vous à son fion s'il le faut. Mais attends, mais c'est deux pégus pas à nous ça. Viens ici. Viens ici. Viens là. Moulier. Chopez-le. Chopez-le par le fion. Voilà. Chopez-le. C'est bien, chaque contresens. Chargez-le. Je charge. Je sais pas où je charge, mais je charge. Hop là, toi tu manges. Toi viens ici. C'est un allié ça, merde. Au secours, on comprend rien. Visiblement, la charge a été efficace. Hop là, t'as mangé dans les couilles. Ça c'est fait. Suivant. Ah, raté. Dommage. Placez-vous. Oh, chopé au vol. Oui, 3 secondes, je replace mes unités. 3 secondes, chef. 3 secondes, ça va le faire. Ils sont où ? D'accord, ah oui, ils étaient partis à l'autre bout de la planète, tout va bien. Ah oui, ils étaient partis à l'autre bout de la planète. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Pour le moment, la bataille se déroule à merveille. Où qui sont les pégus ? En avant ! Suivez-moi ! En avant toutes ! On va aller là-bas. Je sais pas où ils sont, hein. D'accord, ça se déroule en haut maintenant. Ok, ah, je me suis fait toucher, très bien. Le... Ouais, mais là, on est dans une côte, là, c'est pas ouf. Là, on est dans une côte, je vais aller voir derrière s'il y a des gens. Ah, il y a des gens. Chargez. Confirmation, il y a des gens. Oh, toi. Toi, mon pote. Oh, bien joué. Je sais pas qui est le fils de qui a touché mon cheval. Putain, le lag. Le micro lag au moment où fallait pas. Oh, bien joué ça. Chargé. On suit les ordres. Hop là, toi t'étais perdu. Ça se passe à merveille.
Choupez-le ! Choupez-le ! Ok, repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? D'accord, maintenant ça se passe là-bas. D'accord, maintenant ça se passe là-bas. D'accord, maintenant ça se passe là-bas. Hey, mon groupe s'en sort bien. 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 Ouais, mais... Chopez-moi ces pégus. Chopez-moi ces pégus. Chopez-moi ces pégus. Oh toi mon pote. Et si j'ai tout cassé. Et si j'ai tout cassé. Et si j'ai tout cassé. Attends, je peux pas protéger le flanc droit et charger en même temps, 3 secondes. 3 secondes chef. 3 secondes chef. Général, calmez-vous. Général, calmez-vous. Et voilà, il me demande de charger, mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Là, il y a des ennemis là. Là, il y a des Chopez-les. Chopez-les. Chopez-les par les balls. Chopez-les par les balls. Pardon mec, excuse. Pardon, mec. Excuse, mec. Excuse mec. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Allez, repositionnez-vous là-bas, ouais. C'est pas une mauvaise idée en vrai. C'est pas une mauvaise idée en vrai. Ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils et ici, faire. Salopard. 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 Il est intombable. Il est intombable. Vite, je vais le poursuivre. Vite, je vais le poursuivre. En vrai, on les a annihilés. On les a annihilés. Mais on a gagné. C'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné. C'est bon. C'est bon. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On les a pulvères. On les a pulvères. On les a pulvères. Ils sont plus que 7, les pauvres. Ils sont plus que 7, les pauvres. Annihilés, mon pote. Y'a quoi ? Annihilés, mon pote. Y'a quoi ? Viens là, toi. Toi, t'es à moi, toi. Toi, t'es à moi, toi. Bah, d'où il apparaît là ? D'où il apparaît là ? Voilà, merci. Voilà, merci. Voilà, merci. Chopez-le. Chopez-le. Chopez ce pégu. Chopez-le. 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 Ah, dommage. Ah, dommage. Voilà ! Voilà ! Propre ! Propre ! Propre ! Propre ! Propre ! Propre ! Propre. T'as perdu Roran. Eh oui, c'est dommage. C'est dommage. Je survis, oui. Absolument. Absolument. J'ai gagné. Toujours parié sur Ashley Warner, bien sûr. Garantie. Bien joué. En vrai, j'ai bien géré mon groupe, hein. Je suis très content. C'est rare que j'arrive à aussi bien... gérer mes trucs, j'ai eu 18 morts dans mon groupe. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, je vais pas prendre de troupes impériales dans mes dans mon armée, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. On va prendre des arbalétriers et de l'infanterie. Voilà. Ah oh oui, ah voilà. Bon, c'est moche hein, mais c'est moche mais je dis oui. Un max de butin. Garanti. Garanti. Parfait. Pas assez confiance en toi. Garanti aussi. Et tu en as payé le prix fort, Roran. Tant pis pour toi. Alors, je vais quitter l'armée 3 secondes. Ah oui, non, en fait, non, non, je veux pas quitter l'armée. Il n'y a pas de ville juste à côté à nous, donc...
Ça manque de chevaux de trait. Ouais, carrément. Bah, en fait, là, tu l'as pas vu, mais en fait, au moment où on a repris, je venais de me faire exploser la gueule. Et du coup, bah, forcément, j'ai perdu énormément de chevaux et tout. Donc, du coup, effectivement, je n'en avais plus. Mais j'en avais beaucoup. J'en avais énormément, mais je n'en ai plus. On va aller à Dunglenis. C'est moi, on est vraiment en train de faire la paix, là. J'ai cru voir qu'il y avait une proposition pour faire la paix, je crois. Visiblement, j'ai rêvé. Je vais tout revendre, Oran. Je vais tout revendre. Tout revendre et pas mal refondre aussi, également. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça non. Ah, attends, les bottes enveloppées raffinées. Attends. Ça ressemble à quoi? C'est moche ou pas? C'est horrible. C'est dégueulis, bien sûr. Le mouton, hop, on s'en fout. J'aurai assez de bouffe. Ah non, mais attends. Faut que j'arrête de faire le con. Il y a aussi ma compagnonne à équiper. Hein. Faut quand même que j'y pense à elle. À chaque fois, on l'oublie. Voilà, si on pouvait commencer à lui mettre des petits trucs sympas comme ça, je pense qu'elle ne dirait pas non. Ah oui, elle a une lance, ok. Une arme à deux mains. Ouais, là c'est bon. Et là on peut revendre. $7000. Ah, j'ai pas assez de charbon. C'est pas grave, j'ai des thunes. Et quand on a des thunes, on achète du bois. Pour faire encore plus de thunes. Ça respecte. J'ai plus d'énergie. Ça marche, Roland. J'ai plus d'énergie, au secours. Du coup, on fait pas la paix, visiblement. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Forge. Meilleur moyen pour obtenir des éléments. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent des commandes? 378, je peux te faire un truc ou... Je peux te faire un truc en vrai, non? 111. 94 pour 94. Ah oui, t'es pas très contente si jamais j'augmente ça, ok? Le manche, je peux avoir un autre manche, non, peut-être? Ah oui, non, mais ça te réduit le... Ah oui. Bon voilà, je te le laisse comme ça. Je te le laisse comme ça. Voilà, hop. Petit pognon en plus. La reine. Rejoindre le tournoi, absolument. J'ai 100% de mes points de vie en plus. C'est garanti. C'est garanti. Petit tournoi pour faire encore plus de thunes. Tout tourne autour de la thune, bien sûr. On est un chef d'armée capitaliste, bien sûr. J'ai plus de son. J'ai plus de son! Ah non! C'est bon. On a du son. Pardon, coéquipier! Tiens bon! On les matraque! Je suis dans le dos! Ça va bien se passer! Chopez-le! Voilà, bien joué! Ok, 2 contre 1, ça devrait le faire. Aïe! Pas mal! Vous êtes très mauvais en parade! Très mauvais en parade, monsieur!
Bien tenté. Mais j'ai quand même paré, enfoiré. Viens prendre ton coup de pied. Hop là, les chevilles. Ça t'apprendra à pas mettre de soleray. T'en foutrais, moi. Hop là. Il est où? Ah, putain, il m'a fait peur. Ok, je passe dans leur dos, je passe dans leur dos. Ok, il passe dans ton dos. Je le contourne. Je le moleste. Moleste-le. Moleste-le. Ah, merde, oula. Oh, là, c'est un peu la merde. Ok, c'est bon. On a temporisé. Bien tenté. Coup de... Putain, j'ai les jambes courtes. Ok, on gère très bien notre posture pour le moment. Parade. Aïe. Bien tenté. Ce cheval a l'air très cool. Alors, c'est quoi les icônes? Alors, vous voyez pas, mais j'ai des icônes vert, rouge, machin, à côté de mon armure. Mais ça arrête pas de changer depuis tout à l'heure en termes de couleur. C'est pas l'état de mon armure, mais je sais pas ce que ça peut indiquer d'autre, en fait. Peut-être les zones de protection? Mais face aux armes de l'adversaire, peut-être? Je sais pas. J'avoue que je n'en sais rien du tout. En tout cas, je suis très content du mode pour le moment. Il est très cool. Et c'est le seul que j'ai réussi à installer sans tout faire bugger, donc je suis très content que lui, il marche. Incroyable. Plus 5 de renommée, des thunes, une arme, incroyable. Meilleure chose en fait. Je regarde juste, brave gens, si on m'a répondu. Désolé, hein, mais c'est très important. Je regarde juste si on m'a répondu par mail ou pas. J'en ai pour 3 secondes. Alors, en attendant. Du coup, le cheval, on le garde. Et c'est tout. Attendez, bougez pas. Je check juste ma boîte mail. Allez, charge. Charge, Internet. Ça va le faire. Internet commence pas à être dissident, sinon, au bunker. Qui a rejoint Mad Mary et autres dissidents, bien sûr. Non, on m'a pas répondu. Tant pis. Alors, forge. Est-ce qu'il y a d'autres choses de nouveau? Non. Rien de très nouveau. Très bien. Commerce. Achetons des mules et chevaux de trait. Est-ce qu'on en a là? Non, c'est pas ça. Ah oui, ça c'est déjà plus acceptable. Voilà. Paye 1000 balles pour avoir des chevaux. C'est très bien. Nickel. Un messager portant une offre de paix pour négocier avec l'Empire Occidental est arrivé. Messager de l'Empire... Il propose de vous verser un tribut quotidien de 3650 en échange de la paix. Ok, j'accepte. Oui, j'accepte. J'accepte pour 20 d'influence. Voilà. Nickel. Et du coup, moi je touche combien? Je touche 125 sur le tribut. C'est très cool. C'est très cool. Gérer la garnison. Combien il y a d'hommes? 22. Servante de la sororité. Putain, ça en jette. Putain, ça en jette. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. De ouf. Ah oui, oui, je valide. On va recruter des compagnons, braves gens. J'ai pas pu le faire tout à l'heure car je me suis fait exploser le fion. En vous déplaçant dans les steppes ou les plaines, vous gagnez 5% de chance par jour de trouver une monture. Augmente les capacités de portage des animaux de trait de 10%. Réduit la consommation de nourriture de 10% lorsque vous déplacez dans les steppes ou les forêts. La durée de récupération suite à une désorganisation est réduite de 15%. Intéressant. Intéressant pour le climat dans lequel j'évolue. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, essayons de trouver des compagnons. Compagnons, peu importe. Mais essayons de retrouver celle de tout à l'heure.
écorce de saule à Galen. Ah, c'est pas très loin ça, Galen. Let's go. En avant toute. C'est maintenant, c'est tout de suite. Fantassin Vlandier. Il va falloir qu'on achète des chevaux, c'est ça? Viens ici, toi! Toi, je te chope, toi! Viens là, ça fera de l'entraînement pour mes troupes. Hop là! Là, normalement, on devrait les écraser. Mais ça va être bien, ça va me permettre de me rendre compte un peu d'à quoi ressemble mon armée seule, là, parce qu'on a fait une grosse bataille, qui était excellente, mais... J'aimerais bien voir. Voilà, on va les mettre un peu en hauteur. Toi. Voilà, et vous. Très clairement. Voilà. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Déjà, la map est belle. Déjà pour commencer. Ah oui, ça rend bien là. Ça va, on commence à avoir un peu de monde. Alors par contre, vous. Voilà, écartez-vous par là, plutôt. Que je puisse voir un petit peu à quoi ressemble le combat en étant derrière les archers. Que je puisse me rendre compte. Je veux voir si c'est efficace ou pas, en fait. Ils arrivent ou ouais? Et ils commencent à avoir des belles armures, quand même. Hein. Ils ont fait un sacré retravail, quand même, sur le... Sur tout ça, hein. C'est quand même pas mal. Et oui, en fait, regardez, là, ici, j'ai des... À droite, en bas à droite de mon écran... Bon, il y a une barre verte en dessous de la barre rouge que vous voyez pas, et c'est la posture, c'est ce qui fait que je perds mon équilibre ou pas. Mais il y a les petites icônes là où que je ne sais pas à quoi ça sert. Alors. Ça commence à être efficace un peu, ok. On va voir si ça a marché. Merci Shinasha pour ton follow. Merci à toi. Recule. Mais vous êtes fou, monsieur. Voilà, et là ils utilisent les boucliers. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est quand même vachement plus propre. Voilà. Ça c'est cool. Parfait. Voilà. Ce n'est pas trop demandé que d'utiliser son bouclier, brave Jean. Ce n'est pas trop demandé. Voilà. Il faut oser demander à ces troupes d'utiliser leur bouclier. C'est important. Parfait. Alors du coup, je n'ai plus que 39 troupes. Avec la baston, du coup, la grosse baston, entre guillemets. Ça on s'en fout. Ah quoique non, on s'en fout pas en fait. Je peux la fondre. On sait jamais, je peux trouver une pièce de hache, sait-on jamais. Bah non, pas pour cette fois. Hello, ça va? Merci pour ton follow. Merci pour ton follow. Taverne, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah bah voilà. Elle est là. Parlons-lui. I don't think I know you. Peace to you, stranger. Eh ben, ce n'est pas grave que tu ne me connaisses pas, car je me présente, je suis Ashley de la Dissidence, bien sûr, pour vous servir, madame. Je souhaite vous recruter. Voilà, c'est tout. Passons dire... Non, dites-moi en plus sur vous. Vous savez, nous autres femmes souffrons grandement lorsque vous, les guerriers, passez à l'acte. Très bien, je vivais dans un village au nord d'ici, par-delà le golfe. C'est un territoire où il ne faisait pas bon vivre, il n'y a pas de roi puissant et les seigneurs ne pensent qu'à ravager les terres de leurs voisins. Ma mère était douée dans l'utilisation d'herbes pour soigner les malades et blessures. Je vivais une enfance heureuse malgré tout, jusqu'à ce jour, un mois avant mon mariage. C'est le jour où ma vie a changé. Une bande d'un village voisin est venue et nous a attaqués. Nous ne leur avions fait aucun mal, nous les considérions même pas comme des ennemis.
Mais ils voulaient notre bétail et ils ont tué ma mère et le jeune homme avec qui j'allais me marier. Puis ils ont brûlé notre village, tout est parti en fumée, ceux qui vivaient là ont fui dans les bois. Très bien. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent bientôt et reconstruisent le village, mais je ne reviendrai pas. Je ne peux pas... D'accord, je ne peux pas vivre avec un endroit où je suis à la merci de n'importe quelle bête sauvage. Je compte m'intégrer au rang des guerriers, j'apprendrai à faire le mal comme le bien. Et si un jour vient où je me marierai, je vivrai sur des terres dirigées par un roi, même un tyran, plutôt que d'élever une famille au beau milieu d'une guerre totale. Ce qui vous est arrivé m'attriste beaucoup. C'est un monde cruel, et si vous croyez que la vie de guerrier est plus facile, ce n'est que le début de vos désillusions. Alors, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je suis d'accord avec ça. On va peut-être pas commencer à se créer des problèmes. En tout cas, vous connaissez une compagnie à la si vous connaissez une compagnie à la recherche de quelqu'un qui pourrait penser les avec qui je pourrais penser des blessures, recommandez-moi. Eh bien, viens avec moi. 1372, j'achète. Garantie. Garantie. Rançonnons les prisonniers également. Voilà, nous avons désormais une guérisseuse. Voilà. Parfait. Cherchons désormais un ingénieur. Alors, enfin, un ou une ingénieuse d'ailleurs. Ingénieur ? Ingénieur. Une ingénieure. Merci Denetros pour ton follow. Merci à toi. Héros. Oui, restons sur femme, hein, pourquoi pas, ça change rien. La léoparde, c'était pas une ingénieure ? Visiblement non. Merde. Réparatrice, ça doit être ingénieur. Oui, ingénierie. Vue pour la dernière fois à Diatma. C'est loin, ça. C'est loin, mais let's go. L'angoisse. Let's go. Bien le bonsoir, Denetros. Let's go. Allons-y. Un message pour une offre de mariage pour Apolitea de la part d'Amorcon est arrivé. Alors c'est qui C'est ma sœur, c'est ça Non, je décline. Je suis pas d'accord. Je suis un connard, moi. Bon. Ça a 5 minutes. Hein. C'est quoi ces mariages où on ne m'avance pas d'abord l'argent? C'est quoi ça? On est un seigneur capitaliste, ne l'oublions pas avant tout. N'oublions pas les principes. Les principes se pèsent en poids de l'or, bien sûr. Pas un mec facile. Le poids de l'or, brave Jean. Commencez pas à être dissident. Hein. Le poids de l'or. Il n'y a que ça qui compte. Les gens qui sont dans ma commu depuis longtemps, je pense à Mad Mary notamment, Loeza et Tanawi, s'ils passent sur le chat ce soir, vous verrez, ils vous le diront. Ils vous le diront, ils vous diront le poids de l'or, bien sûr. Pour payer du sucre magique. Oh, un repère. Alors ça, ça c'est du pognon assuré, ça. Let's go. Très bien cette sélection. Très bien cette sélection. Bienvenue à tous, bien sûr. Bienvenue à tous les nouveaux viewers. Faites-vous plaisir, installez-vous. Bienvenue sur la chaîne de la dissidence. C'est garanti. En avant ! Troops ! Chargé ! Pardon, je savais plus comment faire. Putain, mais c'est plus des javelots, là. C'est une lance, carrément. Est-ce que je peux le toucher de là? Est-ce que je peux être bon ou pas? Ah non, trop bas. Ah, je l'avais pas vu. Cassez-vous! Ça me vise, ça me vise. Mais intenté. Oh sérieux, entre les guibolles. Merci le bouclier. C'est très aimable. Remercions tous le bouclier, bien sûr. Le bouclier qui nous a sauvé la vie. Y'a quelqu'un par là? Là-bas. Ah. Salut. Let's go. Ça c'est vrai, le vrai lancer de javelot, brave Jean, c'est ça.
Y'a que ça de vrai. Ça, c'est un vrai sport. Garantie. Oh, laissez-moi ce pégu là-bas. Laissez-le moi, je m'en occupe. Exactement. T'as tout compris. Ah, dommage. Tu oses me tirer dessus ? Parade. Parade. Mais tenté, mais insuffisant, bien sûr. Si jamais je prends pas trop cher d'ici le duel, je fais un duel. Cette phrase ne voulait rien dire. Hop là ! Un trauma crânien, ça a jamais tué personne. Hein. Bon, on va faire un petit duel. Petit duel. Je suis déjà équipé en plus. Petit duel. Duel. Ha ha. Qu'est-ce que... Mais tu te calmes ? Bien tenté. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, j'ai du mal à utiliser mon... Pourquoi il... D'accord, c'est que maintenant il y a un délai. Ok, j'ai compris. Pas mal. Un petit pierre feuille ciseau et on n'en parle plus. J'avoue là. Putain, votre chef. Ah ouais, pardon. C'est votre chef. Vos gueules, peut pas parler. Oui, votre chef. Bon. C'est pas sa faute, mais il est un peu débilus. Vos gueules. Putain. Prisonnier. Parfait. Épéiste, épéiste, infanterie. Infanterie, infanterie. Hop, ça je prends. Ça je prends. Tant qu'on a du pognon, je me permets d'améliorer mon armée. 40 troupes, c'est pas mal. Hein. Enfin, 37 du coup. 37 troupes, c'est pas mal. Puisqu'on est 3 héros. C'est un bon début. Ok, allons à Diatma vite. Rapidement. J'ai vu que j'avais aussi... voilà. Arbalétrier conscrit. Et tu peux les retransformer en infanterie juste derrière. Bizarre comme schéma, mais arbalétrier, c'est très bien. Eh ben, le territoire, il est bien scindé en deux, là. C'est bizarre, leur truc. Ils ont réussi à prendre un château en plein milieu, mais pas le reste. Surprenant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à la taverne ? Ah, elle est plus là. C'est pratique. Pratique. Elle est où ? Pourquoi il me met des yeux rouges ? On dirait que je suis énucléé sur la... sur l'image, c'est trop bizarre. Alors, bref. Non, c'est pas elle. Merde. C'est la réparatrice. À Charas pour la dernière fois. Suivre. Où est Charas ? C'est une blague. On s'est croisés ? Non mais la vanne. Envie de mourir en fait. Envie de vécreux. Voilà. Clairement. Clairement envie de vécreux. En guerre. Contre les Sturgiens. Ah, c'est pratique ça. C'est pratique. C'est pratique alors que je suis à 600 km. Alors, le château rapporte un petit peu. Ah non, pas du tout. Le château rapporte rien du tout. C'est les deux villages qui rapportent un peu, l'atelier qui rapporte un peu, le tribut de l'Empire occidental qui rapporte un petit peu aussi. On perd de l'argent à cause de mon groupe et à cause du groupe du château. Également, on va créer
un nouveau groupe. Ma femme et gage illimité. Non, non, certainement pas. Certainement pas. On va lui mettre un gage de... ...260. Et elle sera neutre. Non, elle sera agressive. Voilà. Vu qu'on est en guerre contre les Sturgiens, on va essayer un petit peu de se faire bien voir par le roi. Déjà qu'on est en très bonne position. Le fait exprès, ouais, carrément. C'est garanti. Et là, elle va pas être là, hein. Faut être sûr. Hein. C'est obligé. Elle ne sera pas là. Voilà, hors quotidien, on perd 1000 maintenant. On perd 1370, donc ça va aller très vite. On va perdre beaucoup de thunes. On a intérêt d'en gagner. Si, elle est là, c'est bon. Regardez, ils sont tous énucléés. Pourquoi? Pourquoi? I may stick a knife in your belly, as one cannot be too careful these days. Ah! Eh ben, je ne vais pas m'approcher dans ce cas. Je ne vais pas m'approcher. Dites-moi plus sur vous. Mon père était charron. Tout le monde savait que pour trouver du travail, il fallait aller à l'Icaron, dans les rues autour de l'hippodrome pour réparer les chariots. Alors nous avons vendu notre boutique et sommes allés là-bas. Lui et moi... sommes allés là-bas, lui et moi, pardon. Ma mère était morte, très bien. Les rumeurs étaient vraies, le travail était bon, mais vous savez ce qui s'est passé lors des émeutes de l'hippodrome a brûlé. Et mon père a été tué parce qu'il était étranger, d'accord? Et maintenant que la guerre est là, peu d'entre nous se soucient encore des chariots de course. Je suis donc allé chercher du travail dans l'armée. Au début, je réparais les chariots, mais il s'est avéré que mon talent avec les roues s'est révélé très utile dans la fabrication de catapultes. En effet. Alors j'ai approfondi mes connaissances là-dedans. Plus qu'approfondi même. Maintenant je cherche si quelqu'un ne voudrait pas me recruter dans sa compagnie. Surtout s'il y a un jour la possibilité de faire pleuvoir les rochers sur les braves habitants de l'Icaron qui ont tué mon père. Je ne refuse jamais un bon ingénieur. ⁇ 1400, j'achète. Je prends. Très bien. Je me fais assiéger. Ah non, j'ai cru que c'était moi qui me faisais assiéger, mais on va bientôt se faire assiéger, donc allons-y. On va aller défendre le... Ah putain, on va lever une armée. Ils ont tous des vies pourries, c'est pas possible de ouf. Ils ont tous des vies un peu à chier. Faut le reconnaître. Oh, ça se met sur la gueule, là. Ça va, ça gagne? Oui, sans problème. Tu vois? Ah oui, oui, bah d'accord. Ouais, je vous laisse faire. Hein. Je vous laisse faire, vous avez l'air bien installé. Débrouillez-vous. Défenseur 77. Très bien, ça monte, ça monte, ça monte. On va se mettre par là-bas. Et on va recruter une armée. Levons une armée. Je veux toi et toi. Je veux toi, toi, toi. Je veux toi, toi et toi. Voilà. Dépêchez-vous. Il est grand temps de casser des bouches. On va attendre tout le monde. Ils sont en chemin. Oh putain, regardez-moi ça. Alors ça. Alors ça c'est cool. On en attend plus que deux. Est-ce que c'est les deux là qui arrivent? Et d'un et de deux, c'est tout bon, on a tout le monde. Et maintenant on va casser des gueules. Alors, où c'est qu'on va casser des gueules? Moi je dis, on va aller choper Réville. Si on arrive à choper Varchey et qu'on chope Réville, ils sont bloqués. C'est pas compliqué. La garnison de la ville est 20% plus efficace pour la sécurité. Plus 5 de limite de troupes. Au sein de la ville par jour, les troupes dans votre formation provoquent une... pénalité supplémentaire au moral de 10% lorsqu'elle tue des ennemis. Bah c'est de la merde ça. C'est à chier comme... Ah oui d'accord, t'as des copains quand même. Ah bah oui, je ne suis pas tout seul. Ah! Alors je suis peut-être pas tout seul, mais ça va se mettre sur la gueule là, je peux vous le garantir. Première baston en tant que général. Brave Jean,
Il est l'heure. Ou ça va chier. Ou ça va picoter. Ou ça va picoter. Ou ça va picoter. Ou ça va picoter. Brave Jean. Essayons de survivre à ce jour. 876 contre 655. Il est l'heure. Vous savez ce que ça veut dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça va danser sec. 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 Alors, c'est parti. Petit moment de concentration, brave Jean, avant de péter un câble. 3 secondes. Parce que là, c'est moi le général, si tu veux. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit de faire le con. Alors déjà, on a une excellente position pour connaître. Voilà, répartissez-vous bien. Est-ce que... Ouais, tous les archers ont la ligne. Quel bonheur. Oh putain, mais oui. Oh non, mais là... Là, ça va être... Si jamais j'y arrive, ça va être une désintégration totale et absolue, brave Jean. Si j'y arrive. Formation manquante. Ah, il manque les archers montés. Qui est le plus expérimenté? Toi. Bilic, désolé, mais tu vas pas commander aujourd'hui. Prêt? Prêt? Alors, c'est important que lui, il soit dismount. C'est parti. Brave Jean. Poussez-vous, Pégu. Voilà. Allez, feu à volonté. Voilà, c'est nickel. C'est parfait. Il faudrait réussir à stopper les archers montés ennemis. Et après, on est bon. Pour l'instant, ça se passe excellemment bien. Alors, ça se passe moins bien. Ça, c'est pas ouf. Laissez-moi analyser. Non, c'est bon. Ça va. OK, il y a des morts, ça va. OK, ça se passe moins bien. Venez ici, faut défendre. Merde, j'ai raté. Pégu. Ça touche. OK, l'infanterie résiste. L'infanterie résiste.
L'infanterie résiste, l'infanterie résiste, il faut qu'ils restent comme ça. Ils permettent aux archers de tirer, c'est de l'excellent job. Aigu ! Hop là les tibias ! Ici ! Ici ! Ça touche ! Ça touche ! Quelques morts, mais c'est acceptable. Ah, là, on commence à avoir beaucoup de morts. Pourquoi? Pour quelles raisons? Où est-ce? Pour quelles raisons obscures? Très bien. Replacez-vous ici, vous allez attaquer les archers. Dépêchez-vous. On commence à avoir beaucoup de morts à cause des archers, on va s'en occuper tout de suite. C'est bon, ça s'est replacé. Chargé. Bon. Il m'a mis un tacle lui, viens ici. Voilà les archers de Mythe. Ciao bye mon pote. Y'a quoi maintenant? Hop là. Esquive. Jolie, belle interception. Ça touche. Viens là, j'ai envie de jouer au Moronet avec ta tête. Viens là. Ok, on s'en sort très très bien. Attention. On va ordonner à l'infanterie de charger. Parce que là, on a éliminé la moitié de leur armée. Du coup, c'est le moment. Charger. Maintenant. On laisse les archers. Les archers qui font un excellent taf. Un deuxième groupe d'infanterie qui vient d'arriver. Parfait. Où est notre cavalerie? D'accord, la cavalerie. Fenawak. On la regroupe. Faut la regrouper là-haut. D'accord, le front est en train de se décaler sur la gauche. C'est pas dingo ça. Viens. Venez avec moi la cavalerie. On va aller s'occuper de ce groupe là. C'est bon, chopez-les. Chopez-moi ces Pégu. Allez, grimpe. Grimpe comme dans Skyrim. Viens ici. Viens ici. Molestez-les. Voilà. Ok, les archers. Déplacez-vous. Déplacez-vous là-bas. Peut-être même plus loin encore. Là, c'est pas mal. Cela, il sert plus à rien. Ça, c'est de la baston, si tu veux. Mon cheval. Attention à mon poney. Au toit. Alors toi, mon pote. Ok, c'est le moment d'ordonner à tout le monde de charger. Ils ont perdu. Lamentablement. Viens ici, toi. Toi, je te lâche pas, toi. Toi, tant que t'es pas mort, je te lâche pas. T'es ici. Je te lâche pas. Viens là. Jolie, belle interception. Viens ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle une annihilation, brave gens. Bon, chopez-moi les derniers connards là. Allez hop. Ils sont où les Pégu? Pégu. Où sont les derniers Pégu? Laissez-le-moi.
Laissez-moi ce pégu. Ça suffit, hein. Tu descends de ton cheval, tu as perdu. Michel, Michel, ça suffit. Michel, ça suffit. Pas certain qu'il s'appelle Michel, mais c'est pas grave. Bon, vous me les chopez les derniers là. Bon, c'est pas tout ça, mais. Désintégré. Y a quoi maintenant? Voilà. Un beau merdier comme on l'aime, exactement. Voilà. Ah, ça traque des gens encore. Eh ben. Pas mal ça en vrai. Ça c'est de la baston. Ça c'est de la bataille si tu veux. Ça respecte. Même pas mort en plus. Incroyable. Incroyable. Voilà. Un positionnement aux petits oignons, brave Jean. Première bataille en tant que général. Pas peu fier. Combien de morts dans mon groupe? Ah oui, merde, c'est pas le bon groupe. 8 morts. Honnête. Ah oui, non, mais ils étaient que 15. Ah oui, moins honnête tout de suite, mais c'est pas grave. Prisonnier, je prends. Albardier Vlandais, je prends. C'est quand qu'on récupère les thunes? Donnez-moi la thune, s'il vous plaît. Ah oui, on n'a pas ce qu'il faut pour avoir... Oh là là, oui. Bannière, mur de bouclier. Ok. À quoi cela sert-il? Je n'en sais rien. Une meute. Très bien. Donnez-moi tout. T'as besoin de meilleures chaussures ou... Tiens, un meilleur harnais déjà pour commencer. Et toi, tu sais monter à cheval? Tiens. Ah, je peux pas te l'équiper sans le poney, d'accord. Tiens, tu vas me faire le plaisir de t'équiper comme il faut parce que bon... C'est pas trop ça, mais... T'es un peu une pégu, quoi. Enfin bon, sans offense, hein. Sans offense, mais quand même. Ça sert à quoi, ça? Équipé. Ok. Très bien. Ouais, elle s'est pas montée à cheval, donc ça sert à rien. Super. Pas mal, pas mal, pas mal, brave Jean. Pas mal du tout. Très, très honnête. Très, très honnête, tout ceci. Je n'ai perdu que 4% de mes points de vie. C'est très honnête. Ok, on va se faire poursuivre là, forcément. Alors, cassez pas les couilles par contre, parce que je vais venir vous chercher. Vous allez moins faire les malins. Hein. Je vous le dis. Faites pas trop les oufs. D'ailleurs, puisqu'on y est, bah toi, viens là. Viens là. C'est étonnant, ils veulent pas venir. Alors attends, sauvegardons déjà. On va pas faire les dingues. Sauvegardons. Ensuite, on prend Varcheg. Ensuite, on prend la ville. La celle d'après, là. À moins que... Je prends la ville. On est 762, hein. Ils peuvent venir. On peut être pas trop revenir, finalement. Let's go! Deuxième round! C'est parti, brave Jean!
Ça veut faire les malins ? Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Bon. C'est parti. Espérons qu'on puisse avoir des beaux placements. Ceci, c'est une plaine, c'est la merde. Hein. Ou s'ils sont en hauteur par rapport à nous, c'est la merde. Il manque une chose, brave Jean. L'écho, let's go. En espérant que je me sois pas foiré dans la sélection de micro, incroyable. Ok. Oh oui. Oh mais oui. Oh mais oui. Oh mais oui. Oh mais oui. Ah non mais clairement. Alors là. Alors là. Alors là. Alors là. Alors là. Ah non mais là. Ah non mais là. Allez, venez avec moi, vous. Allez, venez avec moi, vous. Allez, venez avec moi, vous. Allez, on va aller leur dire bonjour un peu. On va aller leur dire bonjour un peu. S'ils font un peu trop les malins. S'ils font un peu trop les malins. S'ils font un peu trop les malins. Derrière moi. Derrière moi. Derrière. Derrière. Non mais. Non mais. Non mais. Non mais. Ok, on va commencer à avoir les premiers morts. Ah, premier mort pour nous, très bien. Premier mort pour nous, très bien. Ah oui, il avait peut-être pas de bouclier. Ah oui, il avait peut-être pas de bouclier. Ah oui, il avait peut-être pas de bouclier. Chargez. Chargez. Chopez-moi ces connards. Chopez-moi ces connards. Tout de suite. Tout de suite. Allez, 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 allez. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? Ouais. Ouais. Pas amplement satisfaite cette chorégraphie de carrousel moisi, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On est où là ? On est où là ? On est où là ? On est où ? On est où ? On est où ? On est où ? Il y a un débrayage visiblement. C'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi là. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Deux grosses batailles en une journée, c'est déjà trop. Clairement. Clairement. De toute façon, oui, ça c'est clair. Mais. Oui, ça c'est clair. Mais. Bon, qu'est-ce que c'est que ce. Bon, qu'est-ce que c'est que ce. Bien tenté. Bien tenté. Salut. 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 Qu'est-ce que. Fais pas le malin, toi. Fais pas le malin, je vais venir te chercher. Fais pas le malin, je vais venir te chercher. Ah putain. Ah putain. Caméra à la con. Caméra à la con. Allez, chargez. Cavalerie, on y retourne. Arrêtez de faire de la merde, s'il vous plaît. Va falloir commencer à vider du stock là. Mais qu'est-ce que c'est que cette charge moisie ? Voilà, chopez-moi les 18 de là-bas, ouais, ça c'est bien. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement qu'il y a les archers, hein! Heureusement qu'il y a les archers, hein! Heureusement qu'il y a les archers, hein! Chopez-moi les 53 pégus là-bas. Là. Chopez-les-moi, après on va s'occuper des archers parce que les archers ils cassent les couilles. Ah, chopez-moi le groupe d'archers de cavalerie de là-bas. Très bien ça. Ça c'est bien, en plus vous êtes 90 contre 50, il y a des chances que ça fasse mal. Hop, ça touche. C'est des archers montés? Ah, ils sont chiants par contre. Ça, ça va être relou. Mais... hop là, moins 1. Hop là, moins 1. Putain, c'est plus des armures qu'ils ont par contre, ils ont des frigos américains sur la tronche quoi, au secours. Ok, ok, ok. Donc, toujours le groupe de 5 archers qui cassent les couilles, hein. Ah non, c'est eux qui sont 80. Ah oui. Bon, j'envoie l'infanterie, ça me casse les couilles. J'arriverai pas à avoir leurs archers sinon. Faut absolument que j'arrive à choper leurs archers, sinon ça va être la merde. Ah oui, mais ils sont dedans en fait. Ah oui, oh putain. Voilà, oh. J'ai bien fait d'envoyer l'infanterie. J'ai bien fait, ça fait du ménage. Plutôt que de les laisser résister, au moins. Merde, j'ai frappé un pote. Viens ici. Bien joué, belle parade. Tu veux te la jouer arma de main, y'a pas de problème, allez viens. Belle parade. Non mais non, mais bah oui, non mais aussi si t'es con. Bon, à partir de là, on peut faire un pour toi, hein. Voilà, charger le bouclier en avant, voilà, ça c'est nickel ça. Oh bah c'est bizarre, y'a plus d'archers, c'est fou. Incroyable. Incroyable. Tu vas où toi? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Il rentre chez lui. Lui il rentre chez lui là. Hop. Il a dit j'en ai marre, 16h30 c'est l'heure du goûter. Hop. Pas commencer à m'emmerder hein les généraux. Joli, 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 joli. Belle baston. Belle bataille. Très belle bataille. Très belle bataille. Très belle bataille. Très belle bataille. Voilà. Voilà. Que demander de plus finalement? Que demander de plus finalement? Que demander de plus? 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 Une bataille rondement. Menez, j'ai envie de vous dire. Encore 2-3 pégus, c'est ça? Si on peut éviter de les laisser s'échapper, ça m'arrange. Ils sont où? Il doit en rester un, mais je sais pas où. Il doit être dans le bosquet là. Putain, mais le combat il est. Ah ouais, non, mais regardez comme on est loin. Putain, la vache. Il est où le dernier Pégu? Ah, ils sont là. Pégu! Allez, chopez-les. Ah, ça fait toujours des mecs en moins dans l'armée ennemie. Faut pas les laisser s'enfuir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il mérite pas de toute façon. Il mérite pas de toute façon.
C'était suffisamment con de vouloir m'agresser alors qu'on était bien plus puissant. Une erreur, selon moi, même. Ici. Ici. Voilà, et le dernier, il est où ? C'est bon, on les a eus ? Parfait. Il en reste deux, ça ira. Comment ça que 2.2 de renommée ? Ah oui, parce qu'on avait l'avantage. Ah oui. Parce qu'on avait l'avantage. Quel dommage. Quel dommage. Alors qu'on leur a roulé dessus. C'est mon prisonnier maintenant. Chevalier infanterie irlandaise. Prisonnier. Plus d'arbalétriers. Plus d'infanterie. Plus d'arbalétriers. Incroyable. C'est pas très bien trié tout ça. Hein. Trions tout ça parce que ça va me trigger. Voilà. Voilà. That's pas mal. Écho. 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 Incroyable. Oh putain. Alors oui mais non en fait. C'est con mais non. Ça va me gâcher trop la vue. C'est bête mais... C'est bête mais pourtant si vrai. Tu veux vraiment m'attaquer là ? T'es sûr de ça ? Je viens vraiment de défoncer la moitié de ton pays. Hein. Enfin bon, je dis ça comme ça. Tu fais ce que tu veux après, mais... À toi de voir, mais bon. Je te le conseille pas, quoi. On a 28 jours à tenir, eux ils en ont 6. On va essayer de... J'ai vu des techniques là-dessus. Ah ouais, mais j'arriverai jamais à le faire, moi. Je suis trop mauvais. Comment je pourrais faire ça? Faudrait lancer... Ok, comme ça. Et là, ça construit automatiquement. Ok. Espérons que l'armée tienne à fond. J'aimerais trop prendre une ville. J'ai jamais fait. D'habitude, c'était jamais moi le général. Là, c'est moi. Du coup, je suis trop content. Je suis refait. Ok, ils sont 300. Ah. Attends. Ah, ça fait de la grosse baston, là, quand même. On pourra pas prendre la ville. Par contre, on va les se défoncer. Test de construction, ok. Tout augmenté 10%. Ah. Yours is not a face I know. What is your...
Non, mais de toute façon, ils vont m'agresser. Ça sert à rien que je les laisse partir. Alors, je me retrouve au-dessus, donc techniquement, avec la génération de terrain, on devrait être au-dessus. Un peu d'archer, mais pas tant que ça. Ok, bon, on va voir. Je vais la faire sans musique, celle-là. Je vais voir, parce que je suis pas certain de pouvoir la gagner facilement. On sait jamais. On sait jamais. Dans le doute, je vais la faire comme ça. Enfin, sans dire que les autres, c'était facile, mais... on avait quand même l'avantage du nombre. Là, on commence un peu à perdre des hommes, donc ce qui est normal. Mais, du coup, je veux pas prendre de risques. Pas alors que c'est la première fois que je suis général, si tu veux. Plus tard, oui, mais là... là c'est la première fois, on enchaîne 3 bastons plus 1 siège. Si on y arrive, c'est cool. Franchement, si on arrive, ce serait grave cool. Ah oui, ils sont où? Ils sont où? Ah ouais, on va faire ça. Oh, on va tellement leur casser les couilles. Alors. Ça va tellement leur casser les couilles, quoi. Vous allez voir. Alors, faudrait réussir à le mettre plus proche. Voilà, excellent. Ah ouais, mais il faut penser aussi qu'il y a les archers. Ils sont pas en mode ample là. Ah voilà, là oui. Est-ce que vous avez la ligne saute derrière ou pas? Ouais, ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Très bien. Vous. Let's go, hein! Let's go! Poussez-vous! 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 Alors, j'ai pas pu voir leur placement, du coup, je suis un peu inquiet, j'avoue. D'accord. Ok, on est en train de se... Ok, on se fait pas contourner encore, c'est nickel. C'est parfait, laissons les archers faire. Parfait, excellent travail. Et ici, toi. Barre-toi. Barre-toi, pipi. Allez, pipi. Allez, oust. Tu t'en vas. Tu arrêtes d'être dissident, tu t'en vas. Voilà. Eux, ils arrivent, mais lentement, ou ils viennent même pas? Non, ils viennent même pas, je crois. Bien joué, fils de... Bien joué. Revenez ici. Revenez ici, vous êtes en train de vous éparpiller. Nawak comment? Nouveau terme, hein, bien sûr. Très connu du monde militaire, évidemment. Cette baston va être un tout petit peu plus rude que les autres, à mon avis, brave Jean. Hein. Risque de pas se dérouler aussi bien que les précédentes. Ah oh, putain. Allez, suivez-moi, on va les harceler là. Mais il faut vraiment qu'ils me suivent, sinon ça va pas marcher. Faut les empêcher de tirer en fait. Voilà, faut vraiment les harceler comme ça.
Voilà, chargez-les. Voilà. Ça, c'est efficace. Voilà, ça, ça va être efficace, ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Du cassage de gueule en règle. Alors, c'est con, on n'a pas le support des archers parce qu'ils sont trop loin. Mais ça marche bien, hein, ça marche bien, ça marche bien. Laissons faire les gens qui ont des armes. C'est important. Aïe. Alors pareil, là, ils sont en train de se réparpiller, c'est n'importe quoi. Revenez par là. Là-bas, ils bougent pas, donc tant mieux. Il faut empêcher, en fait, que leurs archers puissent toucher nos chevaux, en fait. C'est ça qu'il faut empêcher. Alors, il y a son pote qui a pris une balle perdue. Tout va bien. Voilà, continuez de les choper. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. On continue, on continue, on continue. On les aura à l'usure, c'est pas un problème. L'important, c'est de gagner. Allez, chopez-les. On refait un tour. Je serais tenté de déplacer mes archers. Simplement, si je fais ça... J'ai peur de... J'ai peur que leur infanterie, en fait, ne charge mes hommes. Parce qu'ils profiteront de la situation, quoi. Bien tenté, mais j'ai contré. Hop là, t'as pris dans la bouche, toi. Voilà, là, tu vois, ils sont encore en train de se réparpiller n'importe comment. Ils attaquent les archers et tout, mais c'est pas ce que je veux. Aïe, aïe. Putain, ils vont tomber mon cheval. Faut que je me barre. Faut que je me barre, il faut absolument que je conserve mon cheval. Allez, on les ramène par là pour que les archers puissent tirer dessus. Les archers, ils tirent sur quoi là? D'accord, ils visent des pégus là-bas, ok. Pour le moment, ça se passe bien. Ça reste tendu, mais ça se passe bien. Où sont leurs troupes? D'accord. Ils se sont regroupés là-bas. Ok, ok, ok. Moi, ça me va, hein. Alors. Ok, on va voir ce que ça donne. On se fait tirer dessus, c'est ça? On commence à se faire toucher? Alors oui, mais visiblement, nous aussi, on touche. On va économiser notre... Économisons notre cavalerie, braves gens. Ah, mais quoique, attends. J'ai eux, là. Attendez, vous venez avec moi, vous. Vous venez avec moi. On va aller leur dire bonjour aux connards, là-bas, sur la gauche.
Et vous aussi, venez avec moi. Voilà, suivez-moi tous, toute la cavalerie, vous me suivez. On va aller leur dire bonjour. Parce que sur le centre, il se passe rien, là, c'est de l'affrontement d'archers, donc tout va bien. Allez, chopez-les. Ça a dû faire mal, ça. L'objectif là, c'est clairement d'annihiler leur cavalerie en fait. Dans la mesure du possible. Ok, ça commence à charger là-bas. Ok. Faut que j'observe de haut, D'accord. Et l'infanterie chargée aussi. Je pense que l'infanterie peut prendre le dessus. Ce qui a l'air d'être le cas. Faut que les archers se rapprochent. Allez. Et maintenant, bah, on verra. On verra qui gagne. Pour le moment, ça se passe, hein, mais on verra. On sait jamais. Ouais, si c'est bon, l'infanterie, elle fait le taf. L'infanterie et les archers ont combiné, ça fait clairement le taf. Ok, des renforts qui arrivent de notre côté, pas mal. Ah ok, ma monture va mourir, hein, clairement. Il y a très peu de chances que je reparte avec, vu l'état. Pourquoi ça se bat là-bas en fait, je comprends pas. Pourquoi le front s'écarte là, c'est quoi ce bordel? Les archers sont en train de nous contourner. Ou alors ils fuient, je sais pas. Ok, l'infanterie a gagné, parfait, ils vont charger. J'ordonne aussi aux archers de charger s'il y en a qui n'ont pas de munitions. Voilà, tous ceux qui n'ont pas de munitions vont se mettre à charger, nickel. Voilà, c'est win. C'est win. Normalement c'est win. Là c'est de la chasse à l'homme littéralement. Là j'arrive pas à parler, il y a des renforts ennemis là qui arrivent mais c'est pas grave. C'est qui fuit, c'est quoi en fait? J'ai l'impression que c'est qui fuit, hein. On dirait bien que c'est ça, ouais. Hop là! Hop là! Deuxième! Oh là là, cette charge! Bien joué! Je risque de pas très bien le vivre. Oula! 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 Ah ah! C'est rigolo ça, dis donc! Vite, faut que je traverse! Putain! Ok. C'était pas prévu ça. Allez. Qui veut faire le ouf? Toi tu veux faire le ouf toi? Oh
Hop là. Toi aussi. Joli. C'est bon là, on les chope. Chopez-les tous. Chopez le Pikachu. Let's go. Mais ici, putain, mais c'est quoi cette lame qui fait 2 cm? Merci. Chopez-le. Ah non, mais je me battais au point en fait. Ah oui, forcément, ça aide pas. Enfin, je crois que c'est ça. Tu vois. Là, ça touche ou pas? Ah non, 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 c'est bon, c'était bien mon épée. J'ai cru que je me battais au point pendant une seconde, je me suis dit, oui, bah forcément, ça aide pas. Mais non, non, tout va bien. Viens ici, viens ici, donne-moi ta nuque. Non mais... Oh joli, putain le shoot. Chope-le. Joli, pas mal. Hop, moi je cueille moi. Nickel. Bah voilà. Annihilé. On va plus avoir de place à force hein, pour les prisonneuses. Oh oui putain mais c'est plus des gants là à ce niveau. Oh. J'ai plus de cheval. J'ai plus de poney. La tristesse de cette situation. Ah ouais, non mais là j'ai un des meilleurs harnais du jeu là, c'est pas possible. Hop la petite bannière. C'est quand même plus classe. On va commencer à l'équiper elle aussi. Il faut. Je regarde s'il n'y a pas de meilleur truc. Non, ça a l'air d'être pas mal. Oh là là. Oh là là, mais oui. Hop. Pas mal. Eh ben, GG à nous, braves gens. GG à nous parce que vraiment, je pensais qu'on allait la perdre, celle-là. Très honnêtement. Ils avaient légèrement l'avantage. On leur a quand même roulé dessus. D'ailleurs, attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Mais normalement... Ouais, non, c'est bon, je suis bien en réaliste. Ça va. On assiège. On peut le faire. Franchement, on peut le faire. Franchement, on peut le faire. Vraiment, je suis pas inquiet. Je pense vraiment... Parce que là, attendez. Diplomatie. On leur roule dessus, mais d'une force. D'une force. On leur roule dessus, mais littéralement... Hein. Le château est en train de se faire prendre là-bas. Nous, on assiège la ville. Imaginez, j'ai la ville. Ce serait trop bien. Je pourrais mener un assaut, mais je veux d'abord attendre d'avoir... d'avoir tout, en fait. On va mener un assaut, mais d'abord... Et on va mener un assaut avec la musique, brave gens. La musique. Je surveille aux alentours qu'on n'ait pas des ennuis. De type... armée ennemie, par exemple. Ils ont plus que 2 jours avant de commencer à mourir de faim. Autant vous dire que c'est gagné. Enfin, au niveau nourriture, c'est gagné en tout cas. Pour le nouveau propriétaire du château de Cranny Rogue, je ne le veux pas, il est mal placé. Je m'en fous. Il est sur la ligne de front, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux Varcheg. Hein. Varcheg, je veux tout. Je veux tout à Varcheg. Hein. Je veux la ville... Je veux le pognon de la ville, je veux les pierres de la ville, je veux tout. Ils se joignent à moi ou... Non, ça va, ok. Bon, ils se baladent juste, tout va bien. Ok, le trébuchet qui fait des morts un peu. Ok, ça j'annule aussi. Je m'en fous. Je veux des tours de siège, maintenant. Ok, ils vont commencer à mourir de faim. Ok, ça commence. Ils meurent. Garantie. Bien joué pour la tour de siège.
le bélier, l'autre tour de siège et c'est win. Et après on prend la ville. Oh là là, c'est trop bien. J'ai plus de troupes. J'ai plus de troupes. J'ai perdu toutes mes troupes. J'avais même pas vu. Et je gère 22 prisonniers. Hein. Par les couilles, on les tient. Ok, c'est parti. On va continuer de les épuiser. Hein. Ah non, non, je peux pas, je vais perdre l'armée. Vite. Brave Jean. Brave Jean, il est l'heure. 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 It's time. It's time. It's time. Ok, ok, ok. Brave Jean, brave Jean, brave Jean, brave Jean. Descends ton cheval, débilus. Descends ton cheval, débilus. Descends ton cheval, débilus. Descends ton cheval, débilus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prenez-moi cette ville, maintenant. 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 Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Joli ça, Michel. Joli, bravo. Michel. Bravo. Ça, Michel. Bravo. Je veux les couilles de cette ville sur la porte d'entrée. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ah, ça tire. Ah, ça tire. Ah. Ah oui, on n'a pas de protection. Ah oui, on n'a pas de protection. Ah oui. C'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant. On va se mettre à l'abri, hein. On va se mettre à le l'abri. Le temps que. On va se mettre à le l'abri. Temps que. Le temps que. Il faut absolument qu'on leur roule dessus. On leur roule dessus. On leur roule dessus. On va leur apprendre à ces connards à nous déclarer la guerre. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre. Oh, ça va, oui. Arrête de crier. Hein. Ça va, oui. Arrête de crier. Hein. Ok, ça approche la tour de siège, là aussi. Siège, là aussi. Là, ça va commencer à battre le bélier. Pas mal, on va se rapprocher un peu. On va se rapprocher un peu. Allez, on avance. Allez, on avance. Allez, on avance. C'est quoi, c'est la porte qu'on a touché là? C'est la porte qu'on a touché là? C'est la porte qu'on a touché là? Est-ce que je peux l'avoir lui? Est-ce que je peux l'avoir lui? Bélier! Bélier! Oh quel dommage! Oh, quel dommage. Rendez-moi mon bélier! Rendez-le-moi! C'est à moi! C'est à moi! Merci! C'est à moi. Merci! Merci! Voilà, cassez-moi ça! Voilà, cassez-moi ça! Voilà! Voilà! Préparez-vous. 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 Joli. Joli. Il vise bien. Il vise bien. Allez, cassez-moi allez, cette porte. Cassez-moi cette porte. Cassez-moi ça. Cassez-moi ça. Allez, encore un coup. Allez, encore un coup. Allez, encore un coup. Encore un. Encore un. Allez, allez. Allez, allez. Allez, un dernier. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Bravo. Allez, allez. Promotion. Bravo.
Un dernier, promotion. Bravo, incroyable. Bravo. Allez, cassez-moi la porte maintenant. Allez, cassez-moi la porte. Faites attention aux cailloux quand même. Hein. Voilà. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Oh là là, un assaut meilleur. Digne des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques, bien sûr. Ah, ils sont intelligents, ils se mettent pas en dessous. Enfin, pas trop. Par groupe, c'est bien ça. Pareil, ils étaient trop cons, ils se mettaient juste en dessous, débilus. C'est bon la porte? Voilà la porte, allez, chargez. Chargez, chargez tout. Cassez-leur la gueule. Attention quand même, parce que. Voilà, tant pis, hein. À mon avis, on va pas être sur le front cette fois, mais c'est pas grave. Il faut savoir diriger, brave gens. Attention, il y a un mec au-dessus. Poussez-vous. Poussez-vous, je vais la battre. Oh, quel dommage. J'ai fail. Allez, poussez-vous, c'est mon tour maintenant. Écartez-vous. Écartez-vous, braves gens. Attention, moi je veux pas prendre un caillou sur la tête. Hein. Dépêchez. On pousse. Allez, poussez-les, poussez-les. Voilà. Allez, on pousse. Voilà, c'est ça qu'on veut. Molestez-les maintenant. Voilà. Traverser de l'autre côté pour les prendre à revers, c'est ça qu'on veut. Ah, je suis peut-être un peu dans la merde là. J'avoue. J'ai peut-être fait le con. Ah, ça va, je vais peut-être être sauvé. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va le faire. J'ai un peu joué au con, faut l'avouer. L'important c'est de gagner. Où qui sont les pégus? J'ai perdu les pégus. Au secours! Bah voilà! Une prise de ville en détente! Mais ils sont où? Ils tapent sur quoi là? Débilus! Ah, ils sont là! Oh bah putain, on va en chier! Mais Michel? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont perdus! Au secours, mes soldats sont perdus! Qu'est-ce qu'ils font? Je peux passer par là? Équilibrisme, équilibrisme! Let's go! Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils tapent sur quoi? J'entends des bruits, mais... Y'a un mec? C'est quoi le... Je pense que oui, je pense qu'il est glitché dans le mur. Bah écoutez, prenez votre temps surtout, hein, on n'est pas pressé. Bah bien sûr. Arrêtez d'être débilus, s'il vous plaît, 3 secondes. Faut que je comprenne ce qui se passe. Poussez-vous. Allez. Ils sont 13 encore. Ils sont où? C'est là que vous vous battez? Pourquoi? Ah ouais, mais ça, c'est la merde, ça. S'ils sont stuck, comment faire?
Visiblement, ils se touchent, hein, mais... Enfin, allez, ils se touchent les couilles, surtout, mais... Parce que là, ils avancent pas, mais qu'est-ce qu'ils font? Allô? Bon, on a gagné, hein, clairement, mais... Comment faire comprendre au jeu que c'est fini? Mais regardez, il y a un autre débilus, là. Non mais surtout, où est-ce qu'ils sont les trois restants là? Ah! Il y en a un qui vient de tomber. Ils sont où? Ils sont vraiment derrière ce mur? Putain, mais y a pas un cheat pour... pour les debug ou je sais pas. Mode photo peut-être? Merci Imi68 pour ton follow, merci à toi. Il doit y avoir un no-clip parce que j'aimerais bien voir s'ils sont là. Ou alors, je sais que sur Warband, il y avait un raccourci pour kill les unités ennemies rapidement. Mais je sais pas si... Parce que là, visiblement, ils tapent plus personne, donc ça veut dire qu'ils sont plus là. Qui est chargé pour voir. Ok, visiblement ils les ont au fur et à mesure. Si ça va, visiblement ils les tombent. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Ils sont plus que 10. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au secours! Bon bah visitons hein. Faire retrait des troupes. Faire retrait des troupes. Retrait des... C'est-à-dire je fais retraite. Ah, et je relance une baston. C'est ça? Je fais retraite et je relance une bataille. On va essayer hein. Testons. Testons braves gens. Testons tout ceci. Ah oui. C'est bon, merci. Merci. Ça a bien marché. Troupes. Non, je prends pas d'impérial, moi ça va pas ou quoi. Je n'ai plus de troupes dans. J'ai plus de troupes. Faire preuve de pi. Ah, alors c'est la première fois que je découvre ça. Les déserteurs, les défenseurs sont en déroute. Il est évident que Varshag est à vous. Il est temps de déterminer le sort de la ville. Dévastée. Pillage. Faire preuve de pitié. $3500, c'est de la merde. Franchement, si c'est pour gagner ça... Franchement, je préfère gagner de l'influence que 3000 d'or. Hein. Fait pillage. Pourquoi? Non, ça va pas l'air fou, pillage. Non, non, je regrette, ça a pas l'air dingue. Ça a pas l'air dingo. C'est même pas les impériaux, en plus c'est les nordiques, donc ça va. Si ton but c'est de garder Varshag, bah oui, voilà. Moi j'aimerais bien la garder Varshag, si tu veux. Et j'aimerais bien éviter de partir avec une autorité qui soit déjà flingos, quoi. Donc non, je regrette, je vais faire preuve de pitié. C'est plus intéressant pour moi, je trouve. Ouais, mais c'est pas grave. Je peux perdre des relations, hein, c'est pas grave. Je suis tellement bien avec tout le monde que ça va.
Parfait. Je dissous l'armée. Hop. Quatre, cinq, six, sept. Attendons ici un moment. Ouais, voilà. Pour les thunes, exactement. La thune. J'espère que c'est à moi. Hein. Allez vous faire foutre, bande de fils de... Ils sont sérieux, là? Envie de crever. Envie de crever en fait. Fils de pute quoi. Je suis dégoûté. Je le dis, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, parce que, au pire des cas, même si on n'a pas eu la ville, on a quand même fait 3 victoires, alors que c'est la première fois que je joue général. Hein. Moi, je dis, ça respecte. Quand même. Oh là là, tous ces prisonniers. T'as un château? Ouais, j'en ai chopé un. J'en ai chopé un tout à l'heure, là, juste avant. Donc attends. Bon, j'ai un mec blessé, tout va bien. Effectivement, du coup, je n'ai plus de troupes, comme on a tout perdu dans la bataille. Enfin, tout perdu. On a tout, tout engagé, toutes nos troupes dans la baston, et j'en avais pas forcément des masses. Moi, j'étais juste là pour être général. Donc effectivement, on a perdu beaucoup de troupes. Cependant, on a quand même extrêmement bien géré notre truc. Faut le reconnaître. Merde, j'ai vendu une céréale, 2 céréales, chier. 15 000. J'achète. J'aimerais bien avoir un bon cheval vraiment vénère. Voilà, par exemple, cheval de combat. Parce que le natif sturgien, c'est bien mignon, si tu veux, mais... Voilà. Rentrons chez nous. Sauvegarde et rentrons chez nous. T'as un château ou une ville? J'ai un château. Spoilez pas trop les gens. Hein. Oubliez pas. Hein. N'oubliez pas. Est-ce qu'on a des gens qui doivent revenir dans notre... Dans notre groupe? Non, on a personne. Tout se passe bien, tout se passe à merveille. Tribu de l'Empire, dépenses du groupe. Non, ça se passe bien, même financièrement, ça va. Même financièrement, ça va. Bon, au niveau de la guerre, évidemment, on leur roule dessus. Voilà, très clairement.
On a défoncé une armée à combien? On a défoncé une armée à 400, une armée à une deuxième à 400 et une autre à 200, c'est ça? On a infligé beaucoup de pertes quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aurais pas cru qu'on ferait aussi mal tout de suite, pour être honnête. On a commencé à mettre de sacrées droites. Forge. Commande. Oui, pourquoi pas. Double échange de découvrir de nouveaux éléments de fabrication. Pas forcément. Le personnage peut raffiner deux unités d'acier, une unité d'acier fin et produire une unité de fer brut au passage. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Allons recruter une armée, braves gens. T'es allé voir le château? Ça va, il tient toujours? Ok, ça crée des armées, ça crée des armées. Derter qui se refait une répute, ce gros fils de... que j'ai défendu, avec qui je m'entends super bien. Relation 23, ah non, ça a chuté de ouf. Ah oui, parce que je lui ai pas parlé souvent maintenant, oui, oui. Forcément. Tant pis, c'est pas grave. Ça remontera, ça remontera. Je suis pas inquiet. Avec qui... Le Dertir, c'était eux mes potes. C'était eux mes putains de potes de ouf. Relation 89, ouais, avec eux on est large de ouf. Hein. Qu'est-ce que ça fait, assistance? Attendez, j'ai vu un truc, assistance. Dépensez votre influence pour augmenter celle du clan sélectionné. Proposez d'exclure ce clan du royaume. Ah ouais, ils sont... Si je fais ça, ça, ils sont plus contents. T'augmenter de 2, ils s'élèvent à 25. Ouais, super. Ça vaut le coup. Ok, ils ont ramené beaucoup de trucs. Recrutons des troupes. Ok, le clan progresse, le clan progresse. Derter qui crée des armées, qui les perd juste après, mais tout va bien, c'est sous contrôle. C'est lui qui l'a dit. Il a dit que tout était sous contrôle. On le croit pas des masses, mais c'est pas grave. Château de Cranirog. Non mais je m'en fous du château de Cranirog. Pourquoi il est marqué? Ah, parce qu'il se fait assiéger. D'accord. Voilà. Ça fait déjà une belle armée là. Allons à Marine, recruter encore quelques troupes et on est bon. T'as un bouton de tout recruter. Ouais, je l'ai vu. En fait, au moment où tu l'as dit, ouais, je viens de le voir. Je viens de le découvrir, j'avais même pas vu. Alors. D'accord, on va se battre par là-bas. Ah oui, non, mais en fait, on a fait une giga percée du coup avec la prise de Varsheg. Faudrait prendre Reville. Faudrait prendre Reville, mais Reville, le problème, c'est que. Bien étendus par là-bas où ils ont... Non, là-bas ils ont pas bougé, ils sont pas rentrés en guerre encore contre les autres. C'est-à-dire que là on est en train de leur faire giga mal en fait, une giga percée.
Ça va, ça va être pas trop vomitif. N'hésitez pas à me dire surtout. Je n'en tiendrai pas compte, mais n'hésitez pas. Ouais, parce que là, il serait bloqué, en fait. Si on arrivait à prendre Reveal, il serait bloqué. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Réfléchis à un plan d'action pour commencer à penser à créer mon royaume, c'est-à-dire à me barrer de Vlandi, de la Vlandi, et ouh joli, 94 d'armure de tête, putain, si j'arrivais à l'avoir, ce serait ouf. Et ouais, et commencer en fait à penser trahison, quoi. Mais pour ça, il faudrait que j'augmente encore plus mes relations. C'est-à-dire que là maintenant je vais essayer de viser les relations. Là j'ai testé Clémence pour voir ce que ça faisait. C'est intéressant quand tu veux garder une ville. Par contre effectivement il faut avoir des relations à 300 quoi. Mais c'est intéressant de tester. Monsieur vous êtes nul en parade hein, va falloir vous améliorer. Voilà c'est... il s'est pris son manche en fait. Je l'ai matraqué le pauvre. Qu'est-ce que... Ah oh, je suis super lent. Oh l'angoisse. Ah, pardon. Pardon. Je suis clairement visé. Hein. J'ai jamais visé à l'arc, je suis nul. Je vais au combat, je suis mauvais. Abattez-le. Joli. Aïe, il m'a eu au vol. Ok, vite. Je suis mauvais à l'arc, bon. Alors par contre, faut venir m'aider. Hein. Ah bah c'est super ça, mon pote qui vient pas m'aider. Ah oui mais il est mort, ah d'accord. Ah, effectivement, il peut pas venir m'aider. Oh joli, belle... Joli, beau combat. Bien joué. Pas mal. Pas mal. Cassez-lui les genoux. Chopez-lui ses cuisses. Voilà. C'est ça qu'on veut. Petit massage fessier là. Pas mal. Qui de nous deux va gagner? Nous le verrons. Elle est sympa cette arène, elle a une bonne gueule. Pardon. Revenons au combat. Haha. Ouais bah visiblement je tape beaucoup plus fort que toi. Vu que t'as l'air de reculer à chacun des coups que je te mets, même quand je pars. Enfin même quand tu pars. T'as l'air d'avoir un bon casque aussi, quoi. T'en as pas besoin du coup, donne-le-moi. Parfait. Nickel. Garanti. Ouais. La gueule n'y est pas encore forcément à fond, mais... Toujours mieux que rien. Voilà. Ça protège toujours un peu plus. Ok, il commence à attaquer le château d'Ove, etc. Vous savez quoi? Je vais proposer un truc. Diplomatie.
Ah ouais, il ne vole pas, quoi. Ok, bah... Ok, hein. Pardon, hein, je veux pas déranger non plus, hein. Putain. Je voulais faire la paix par intérêt, en fait. Comme ça, ça laissait le temps au Nord de se refaire un peu. Et après, on réengageait les hostilités, tu vois. C'est un petit peu pour s'amuser, finalement. Pour s'amuser, quoi. C'est fun. Je pense que là, les surgiens, ils passent un bon moment, là. Moi, je fais des tournois, tranquillement. Moi, je m'amuse. La guerre? Oui. Plus tard, plus tard. Plus tard. J'ai déjà géré une armée de 800 hommes, alors que je l'avais jamais fait, et j'ai gagné 3 batailles, plus un siège, qu'on m'a même pas laissé gagner. Le tribut final. Enfoiré. Mais bon. Est-ce que je le vis mal? Non. Oh, la parade d'instinct, là. Incroyable. Non, non, je le vis pas mal du tout, hein. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Hop là. Parade. Cassons des genoux, messieurs, si vous voulez bien. Joli. Hop là. Tu feras attention, t'as laissé ton menton par terre. Bien joué. Aïe! Mon cheval! Voilà, ça t'apprendra. Hop là! Ici, toi! Bien joué. Qui a mis une charrette là? C'était vraiment une idée à la con. Viens ici. Il m'énerve. Voilà. Voilà, parfait. Après, on va aller à la guerre, hein, promis. Ça va, on fait une petite pause, hein. Et on passe offusqué parce qu'on fait une pause, hein. Peut-être un peu. Attends, lui a mis une petite tape sur la nuque humiliante. Ok, laisse-moi me reposer. Merde. Bon, c'était nul ça, t'avais une putain d'occasion. Tu es mauvais, Michel, tu es mauvais. Aïe. Aïe. Pardon, je voulais pas t'insulter non plus, hein. Putain, mais tu tapes fort d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ce focus? Tiens, ça t'apprendra. Non mais... Laisse-nous discuter. Nous discutons. Merde. Aïe, 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 aïe. Putain, j'arrive pas à le toucher, il m'énerve. Il est trop fort. Putain. C'est mort. Oh oui. Oh joli. Harcèlement. Voilà. Putain, j'ai galéré pour le tomber lui, hein. Il a disparu. Voilà. Molestation.
Ah! D'accord, bah pas de bouclier, let's go. Allez, viens. Bien joué. Je crois, gaffe, t'as un petit peu de mon sang sur ton visage. Ça pourrait te gêner. On sait jamais, hein. Molestation. Voilà. Non mais... C'est ça qu'on veut. Un petit peu de thune, pas mal. Ouais. On va commencer à les équiper avec des trucs un peu plus... plus intéressants, quoi. Bon, allez, on va à la guerre, ça va, j'ai compris. Il nous reste une petite demi-heure, là, pour continuer à faire la bagarre, comme on dit, bien sûr. Dans le jargon très professionnel de la guerre. Putain, mais ils se sont fait défoncer. Putain, la vache. Oh, toi. Oh, toi, mon pote. Non, je vais pas t'aider, finalement. Excuse-moi, hein, mais... De la part de Belgir. Qui est Belgir? Qui est Belgir? Mais tu as 51 ans! Est-ce que t'es riche? Ah, t'as l'avarice, je refuse. Si t'es avare, je refuse. Hop, ça dégage. Je veux pas de gens comme ça dans ma famille, moi. Non mais. Oh oui, on va assiéger aux morts direct. Coup dur pour les Sturgiens, là. Hein. Coup dur pour les Sturgiens. Vraiment, ça pique. J'aimerais pas être à leur place. Pourquoi 56 de morale? Événement récent, moins 2,49. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné pourtant. D'accord, il veut juste un bélier pour charger, ok. Nouveau propriétaire du château Dove. Tant mieux, je le veux pas. Ça m'intéresse pas. Derter, bah bien sûr. Il s'approprie tous les châteaux lui en attendant. Hein. C'est... En attendant de trouver quelqu'un, hop, il garde le loyer. Incroyable. Il y en a qui s'emmerdent pas, bien sûr. Hors quotidien, 224. On arrive à être en positif. Grâce aux tribus de l'Empire. Mais on arrive quand même à être en positif. C'est parti. Bon, c'est pas intéressant là. C'est sûr qu'on va gagner, donc je mets pas la musique. On va juste essayer de passer en première ligne. Histoire d'eux. Vu que je suis pas général, j'en profite. On va voir ce qui se passe. Ah, ça y est. Ça y est. Let's go.
Qui avançons vite vers les barricades. Ouais, du coup, il a même pas construit d'armes de siège ni rien en fait. On y allait vraiment à la nawak. Ok, merde, qu'est-ce que je fais? Au secours! C'est bon. Je me fais tirer dessus. Ah ouais, ça vise bien quand même, hein. Ouch, ça pique. Ok. Maintenant on attend. On attend le bélier. À moins que je puisse mettre une échelle. Il y a une échelle là? Pas d'échelle? Où est-ce qu'il y aurait une échelle? Il n'y a pas d'échelle, d'accord. Vite, cours, cours, cours! D'accord, elle va venir là, ça marche. C'est pas un pégu là qui monte son crâne? Là. Il y avait un petit pégu là. Hop là! Oh dommage. L'infanterie prend les murs d'assaut. Ah bon? Ok, peut-être. Mais c'est vrai que c'est une ville, elle est immense cette ville. Soldats, êtes-vous prêts? En avant! En avant, j'ai dit! En avant! Qu'est-ce que... Allez! Non, pas par là! Pas par là! Bah, venez! Faut monter, hein! Il monte un peu là? Ouais, ça y est! Où ça va pousser fort? Où ça va pousser fort? Allez, faites-les reculer là! Voilà. Ah, y a beaucoup de monde là. Hein. Hop, ça touche. Oh, ça touche. Oh, ça touche. Non. Aïe. Ah, les genoux. Mes chevilles. J'ai mal. Poussez-vous! Bon bah pour le moment ça se passe bien hein. Moi je reste sur mon bridge. Non, ils ont bien travaillé les détails quand même hein. Au niveau des textures et tout, quand on regarde les armures de près c'est vachement plus clean hein. Pris un javelot. Pas très sympa ça. Mais par qui me tire dessus? Bon, on peut pas avancer pour le moment. Laissons l'infanterie là-bas faire une percée. On a pris le pire front. Hein. Vraiment, on a pris le pire front. Mais c'est pas grave. Aïe! Hop là! Hop là! Hop là! Molestez-le! Hop là! Hop là! Attention non! Attention non! Ah! Mes chevilles! Salopard!
Aïe. Putain. Mes potes qui me jettent par-dessus les murailles, quoi, au secours. On est où? On est où? Ce sont des animaux. Non mais vous allez encore me pousser. Non, ça suffit. Non, arrêtez de arrêtez. Il n'y a pas de mouvement circulaire, il n'y a aucune raison qu'il y ait une force centrifuge. Laissez-moi tranquille. Je suis obligé de compenser à gauche. Sérieux là? À quel moment? À quel moment je peux prendre une flèche alors que je suis en dessous du toit? Tant pis. Ouh, joli. Dommage, dommage, dommage. Bon. Ça y est, il commence à faire une percée, ça y est. Ouais, bah putain. C'est beau quand même, hein. C'est joli. Ouais, c'est bon, il cligne les murailles. Parfait. Bon, on est mort comme une merde, mais c'est pas grave. C'était quand même cool. Bon, espérons qu'on ait la ville. On a le droit de rêver, hein. Mort a été prise, l'élection a commencé. Pitié que ce soit moi, quoi. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. J'aimerais trop. T'imagines les impôts? Les impôts, braves gens. Pensez aux impôts. D'accord, même elle, elle a mieux. Espérons. Oh putain. 0% c'est même pas la peine. 0% c'est même pas la peine d'essayer. Putain, on se fait chier dessus, hein. Mais alors d'une puissance. Bon bah voilà, hein, on a pris l'armée, c'est cool. Quand même mieux classé comme ça. Ah non, tu me laisses tranquille toi, sinon je vais te choper par le callback, ça va te faire tout drôle. Bon bah voilà, hein. Franchement pas mal. Sécurité, garnison plus 1, stock de nourriture 12, enfin plus 12, milice 75, c'est pas mal en vrai. Garnison 65, bien. Bien, 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 écoute, qu'on continue comme ça, hein. Il faut, par contre, ouais, j'aimerais bien, comment dire. Comment dire, j'aimerais bien trouver une solution
enfin réfléchir à une solution pour commencer à penser trahison et prise de château. Moi, je serais d'avis de viser, par exemple, un château affaibli. Par exemple, Ustokol. Tu vises Ustokol. Attendez, on va aller voir à Ustokol combien il y a de gens. On sait jamais, hein, ça se trouve, on peut être surpris. Comme ça, après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu prends le château, tu l'assièges, et tu l'assièges pas en l'attaquant, tu l'assièges en l'affamant, en fait. Et je pense que... Oh le con. Oh le connard. Oh le fils de... 225. Je vois ce que vous voulez dire. Ça se trouve, ils sont tous en vacances, on sait pas. Je vois ce que vous voulez dire par rapport à l'erreur que je viens de commettre. Oui, je vote oui, oui. Oui, oui, on déclare la guerre, ouais, c'est bien. C'est très bien, la guerre. Voilà. On augmente de les relations. C'est très bien. Donnez-moi une ville. Mais c'est très bien. C'est vraiment nickel. Oh putain, je vais être emprisonné, là. Oh merde. Ça va, vous, sinon? Ça va? Les yeux plus gros que le ventre. Non, je voulais juste aller voir. Je m'attendais pas à ce que... Je voulais pas les attaquer. C'est eux qui m'ont attaqué. 9000, oui, t'as cru, ouais. Bravo. Pardon. Soyez pas dissident, le chat. Bon, ça suffit. Si, soyez dissident. C'est mérité. Calmez-vous, surtout. En vrai, ouais, je m'attendais pas à tomber contre deux armées, là. J'avoue que... J'avais pas prévu. Parce que d'habitude, il n'y a jamais personne là, en fait. Étant donné que c'est un petit peu la fin, c'est-à-dire que les gens, ils stationnent à Varcheg, tu vois, pour bloquer les gens. Ils stationnent pas ici, quoi. Fuite! C'est lourd! Ah ouais, carrément! Oh putain! Très bien. Je vois encore ce que vous voulez dire par se faire rouler dessus, finalement. Ah bah c'est super, j'ai comme une sensation de déjà vu, comme ça je suis pas dépaysé, c'est l'avantage. Je connais bien ma cellule maintenant, hein, vous savez. On va peut-être refaire la déco d'ailleurs. Enfin bon, c'est qu'une proposition. Là on va en chier pour repartir de là. J'ai fait des potes, mais de fou! J'ai des copains maintenant, j'ai des potes. On est là, on compte les pierres ensemble, voilà quoi. Ah! Certains de mes compagnons ont été libérés suite à la défaite de leur ravisseur. Bah c'est super, mais ça me rend pas service quoi. Laissez-moi partir. Non mais... C'est qui est à Varcheg là? C'est l'épée, d'accord. Ah mais je suis con, je peux chercher là directement. Varcheg.
Ah, il faut 400 d'influence. Ah, je peux pas le faire. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ah! Où est passé? Où sont passées mes mules? Oh putain. Inutile de vous faire un vote, je ne vais pas survivre. Mais il est hors de question que je continue à me faire rouler dessus. Let's go! C'est hors de question. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Oh, je suis giga lourd! Oh, l'angoisse! L'angoisse! Oh, j'ai raté! Oh, j'ai raté! Oh merde. Oh merde. Me suis aligné dedans quoi, sérieux. Oh toi t'es ma cible toi. Toi c'est bon. Toi tu m'as énervé. Bien joué, enculé. Je l'ai vu venir en plus. Let's go. Sérieux là? Non mais sans deck! Ça a 5 secondes là! Bien joué de ton tir! Heureusement que j'ai une bonne armure sur le cheval. Mais ça ne suffira pas malheureusement. Oh sérieux! Putain, rater une occasion comme ça! Non, trop risqué. Eh hey, les mecs, venez. Allez, rapprochez-vous de là. Je viens de penser à un truc. Venez là. Allez. Faites pas vous timides. Allez, venez. Allez. On s'amuse bien quoi. Allez. Allez, cours. Cours vite.
Cours vite. Cours vite. Le plus vite que tu peux. Le plus vite que tu peux. Le plus vite que tu peux. Il est où? Là. Il est où? Là. Non, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai le démon. Là. J'ai le démon. Là. Il est où le putain de javelot? Il est où le putain de javelot? Il despawn? Il despawn? J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Pourquoi il despawn quand je m'approche? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Là, à gauche du cheval. Là, à là. Gauche du cheval. Donne-le-moi. Là, donne-le-moi. Là, donne-le-moi. J'observe, j'observe. J'observe, 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 j'observe. Putain, y'a rien. Putain, y'a rien. Y'a pas eu un javelot, quoi. Un javelot. L'angoisse. Un javelot. L'angoisse. L'angoisse. Il y avait une hache là. Il y avait une hache là. Il y avait une hache tout à l'heure. Faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve. Faut que j'élimine ceux qui ont une lance. Ceux qui ont une lance. Lui là, je peux pas lui prendre son truc. Je peux pas lui prendre son truc. Arrête-toi. Arrête-toi. Je peux pas lui voler son javelot là qu'il a dans le. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Cours. Ok. 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 Putain. Ils vont être intouchables, hein. Je vous le dis. Ça va être une galère sans. Non, mais sérieux! Non, mais sérieux! C'est un Super Saiyan, le gars! C'est un Super Saiyan, le gars! C'est un Super Saiyan, le gars! Eight hours later! Ouais, mais si je survis. Ouais, mais si je survis. Ouais, mais si je survis. Ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. Putain. 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 Sérieux quoi. Putain, sérieux quoi. Sérieux quoi. Sérieux. Leur bouclier doit prendre que dalle en plus. Prendre que dalle en plus. L'angoisse. 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 Prennent rien. Prennent rien. Prennent rien, ils ont des trop gros boucliers. Trop gros boucliers. Non, 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 non. Bon allez. Bon allez.
Y en a un avec sa lance de merde là. Faut que je reste à distance. Si t'apprendras à pas lever ton bouclier. Y'en a plus aucun qui a une lance. Oh oui. Ah si, y'en a encore. Allez quoi, ils sont plus que 3. Je peux bien les avoir. En vrai. Y'a pas un javelot genre, un seul. Vraiment, hein. Un seul. Sale temps pour être un cheval de fou. Oh oui, ça touche. Lui il a une lance, ça me sert à rien. On peut pas récupérer les javelots sur les mecs. Ça rend fou ça. Putain, il y aurait tellement moyen quoi. Faut que je mette un mode pour ça, c'est pas normal. Fais chier quoi. On va vraiment finir là-dessus là. J'ai pas le choix. Hop, y'a plus d'écho. Tout ceci est... c'est beaucoup. Je suis en train de me dire qu'en fait, les armes de jet, c'est pas... Et maintenant, plus bactère, de fou. De toute façon, Bannerlord, c'est ça. Hein. Bannerlord, c'est ça. Tu
Il y a un moment où t'es très haut et le lendemain t'es plus rien. Enfin t'es plus rien. T'as plus personne surtout. Faut absolument que j'arrive à rentrer sur mes terres. Oh putain. Ça c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. C'est comme ça que ça s'appelle hein, brave gens. Oh bah oui, oh bah carrément, bah let's go. C'est bien le jeu, le pathfinding quoi, let's go. Très bien. Pas le choix, hein. Là, pour rentrer, ça va être une galère. Hein. Vous avez reçu 15 000. Ah ouais? Putain. La thune! Je me casse. Je me casse, niquez-vous. Votre groupe meurt de faim, je m'en fous, il n'y a que moi. Donc tout va bien. Ah non, il y a Billy la Louve aussi. Ah oui. Ah bah c'est super, ils m'ont volé le casque. Ah bah c'est parfait. c'est parfait. Oui, 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 j'y penserai le moment venu, niquez-vous. Voilà. Moyen d'arrêter de m'emmerder, compagnon? Bon. Voilà. Ça vous va? Putain. Ah, c'est bon? Vous avez plus faim? Parfait. Bon, mais. C'est fou, ça. Toujours à se plaindre. Bon. On rentre. On se refait une armée. Vite fait. Et après, je cut. Et après, je cut parce que il faut. Voilà. Pas mal déjà. On va aller voir à Praven. Ah, c'est parfait, on est en guerre contre tout le monde maintenant, c'est génial. J'adore ma vie. Parce que demain c'est lundi et c'est tout pourri. Bof. Si, je peux comprendre en vrai. De la part de Thorgud. Du détir. Ah oui, j'accepte. J'accepte. Le détir, j'accepte. Bien sûr. J'accepte. C'est le détir, brave Jean. Une bien belle cérémonie. Ouais. Super. Super. Et la thune, on fait comment pour la thune? Pour la thune. Pour savoir, hein, c'est pour savoir. C'est pour savoir. Pour savoir comment on fait pour la thune, en fait. Ça presse pas, hein, mais c'est juste pour savoir.
Je recrute, hein. Je recrute. C'est important de recruter. Allons à Galend. Hop. Hors quotidien, moins 44. Voilà, ça le fait. Même au niveau... Même au niveau financier, en vrai, ça se passe bien. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de chance, là, sur le... Sur l'enchaînement des événements, mais c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, si on arrivait à avoir 100 troupes, ce serait ouf. ...88 troupes déjà, c'est pas mal. Déjà, on va se calmer là. Voilà. Calmons-nous ici déjà. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Le château, tiens. Allons voir comment ça se passe et après on se laissera au château. Mais attendez, là, il y a... Mais attendez, il y a moyen de faire un truc, là. Oh, je sais même plus dans les propositions. Ok, ça marche. Il y a moyen de faire un truc, hein. Ok. Testons juste quelque chose, hein. J'ai sauvegardé avant, d'accord. Donc ils arrivent, ok, ok. Non, 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 mais je m'en vais, moi, je m'en vais. Ouh là là, moi, je cherche pas les ennuis, hein. Ouh là là, moi, non, non. Non, non, laissez-moi tranquille. Tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Ouh là là, moi je... cherche pas les ennuis, moi. Rentre chez toi. Allez. Allez, Oust. Allez. Allez, barre-toi. Tu dégages. Voilà, parfait. J'aimerais bien aller voir mon château, par contre. Ah, on se fait assiéger, là. Super. Ah, ah oui, appuie bien. Ce qui veut dire que moi aussi je vais me faire assiéger. Clairement. C'est clairement ce que c'est en train de dire. C'est clairement ce que ça veut dire, brave gens. Ça veut dire que moi-même je vais me faire assiéger. Je vous le dis. C'est clairement le sous-entendu. Sous-entendu qui n'en est pas vraiment un. Parce que vous voyez ça? Bah ça c'est pour ma gueule. On est combien maintenant? On est 270. Ah, c'est pas mal en vrai. Gérer le château. Ok, ça construit, ça construit, ça construit. On va attendre ici, hein. Oh putain, c'est pour ma gueule. Oh, c'est pour ma gueule. Oh, c'est pour ma gueule. En termes d'archers, on... D'accord. En termes d'archers, on est dans la merde. Courez. Courez, en fait. On va voir, hein, peut-être qu'on va pas se faire assiéger, mais j'y crois pas. Hein. Non, même pas. Eh ben. C'est qu'on en a de la chance, dis donc. Nous sommes chanceux, braves gens. Qui a créé une armée pas loin de là? Ah oui, là-bas. D'accord. Eh ben écoutez, c'est pas mal en vrai. Hein. Ça aura fait une bonne session. On va se laisser ici. Je vais sauvegarder.
Mais ouais, il y aura du monde hein, pour la prochaine fois. Il y aura du monde. Il y aura clairement du monde. Alors, attendez, je sauvegarde et je quitte. En tout cas, une belle session. Hein. Une belle session en vrai. Une très belle session, j'ai trouvé. On a fait pas mal de trucs. Je vais pas faire Project Zomboid. Parce que mine de rien, on a commencé à streamer à 13h. Et bah là, j'ai des trucs à faire maintenant. Donc, en tout cas, je vais aller continuer mon taf, moi. Mais en tout cas, c'était très très cool. Voilà, voilà. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci à tous les follow, hein, bien sûr. Merci à Loesa pour ton tier 1 offert par Tanaoui, bien sûr. Merci, merci à Tanaoui, du coup, implicitement. Merci à Roran pour les cheers, bien sûr, ça fait plaisir. Prochain stream. J'ai pas vraiment de merde, le jeu a crash. C'est pas grave. J'ai pas vraiment de date à vous fournir, donc juste... Ah oui, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Faut savoir que je stream rarement. Voilà. Je stream rarement, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous voyez qu'il n'y a que 2 ou 3 streams par mois, c'est normal. C'est parce que je stream rarement. Mais du coup, tenez-vous informé via les notifs, bien sûr, activez les notifications de la chaîne. Et ça vous permettra, bien sûr, de savoir quand est-ce que je stream, hein, évidemment. Vous recevrez automatiquement la notification. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Attendez, j'ai vu qu'il y avait... Ah bah si, bah, je vous envoie chez Clara Doxal. Voilà. Je vous envoie chez Clara Doxal. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait quoi? Elle discute. Eh bah parfait. Eh bah écoutez, je vous laisse. Une excellente soirée à vous. On se tient au courant, bien sûr. Surveillez vos notifs. See you, fuckers. Et merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ciao. À plus.